Bonsoir à tous les socios, ravi de vous retrouver. On est dans le club des 5, 571e émission. Ce soir, ravi d'être avec vous. On va pouvoir parler des gros matchs de ce dimanche. On a eu de belles affiches, notamment en Ligue 1 et surtout en Première Ligue avec le derby d'Angleterre. On va en parler ce soir dans le club des 5 avec un très très beau plateau pour m'accompagner avec nous ce soir, Walid Acharchour. Bonsoir Sam, bonsoir à tous. Ça va ? Ça va super, comme un dimanche, fin de semaine, on va essayer de terminer la semaine en beauté. Ça a donné quoi le classement du JDE pour toi ? Pas très très bien, je crois que je suis 23 ou 24e, mais bon, on aura le temps d'en reparler. On en reparlera, ouais, mais on en reparlera déjà, mais... pour voir... Ça sent pas bon, j'ai pas... 24e ? Ouais, c'est ventre mou ça. Ouais, Schalke m'a mis un peu dedans. Bon, ouais, c'est pas génial, vous voyez. Pas génial, On en reparlera dans le mini débrief du prochain Paris du CD5 by Winamax. Axel Marek à tes côtés ce soir. Salut. Comment ça va, Axel ? Ça va. Je viens d'apprendre que t'as eu une petite opération, ouais. On dit tout au socio. Fin de carrière, les croisés, rupture des ligaments croisés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-nous. C'est la deuxième opération, ça fait longtemps que je traîne un petit galère au genou, il fallait régler des trucs, sinon à 60 ans, c'est un peu une galère. C'est vrai. Donc du coup, je l'ai fait maintenant, et du coup, ça fait du bien. Du coup, à 60 ans, on te verra toujours sur les terrains, quoi. C'est ça, bien sûr, ouais. Apparemment, j'ai eu les proches d'Axel Marek, il s'est fait le reportage sur Ronaldinho la semaine dernière, il a été au 5, il a voulu refaire... J'ai fait la même chose, crack, direct. Ce qu'il a fait à Dos Santos, direct. Le genou. Et ça a pas supporté. Ça a craqué. Ça a pas supporté. Ça a pas été Dos Santos. Voilà, ça a pas... Je veux dire, c'est... Ah non, au moins Dos Santos, il est resté vivant, il est resté debout. C'est exactement ça. C'est lui qui a valsé. Exactement. Bon, on espère que ça ira bien, Axel, mais tu seras avec nous, même si tu es un peu immobilisé, tu seras quand même avec nous pour les débriefs. Donc voilà, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Surtout pour les socios. Alpha Baldé également avec nous ce soir. Salut Alpha. Salut Sam, salut. Comment ça va ? Bah écoute, ça va, un week-end un peu chargé, mais ça va. Écoute, week-end chargé, mais week-end habituel, j'ai envie de dire. Pas forcément, j'ai regardé beaucoup plus de Ligue 1 que de championnat, donc ça change un petit peu. Ah, donc là, t'es en train de me faire un reproche parce que je t'ai demandé de regarder non, les trois matchs. C'est pas forcément à toi, parce que samedi aussi, j'étais à Toulouse pour Toulouse-Lille, donc... Oh, bah t'as vu un beau match, moi. Oui, il y a 3 buts en deuxième mi-temps. C'est pas toujours le cas à Lille, pour à Toulouse. À Toulouse, à Lille, non plus à l'extérieur. Je peux te le rassurer, ouais. Bon, on dira un petit mot du face-à-face raté de François Camano dans l'émission. Non, on n'en parlera pas, c'est bien dommage. Non, je pense que ça en vaut pas la peine. Mais ouais, j'ai vu que tu avais eu une réaction assez véhémente, de toute façon, sur les réseaux, histoire de bien compléter l'histoire. Bonsoir à tous les socios qui nous rejoignent. Ravi de vous retrouver, bien sûr, comme tous les dimanches. On va se voir le petit programme, les amis, de l'émission, parce qu'on a un petit sommaire sympathique ce soir à vous proposer. On va revenir d'abord sur la Ligue 1. Alpha le disait, beaucoup de Ligue 1 ce week-end. Beaucoup de Ligue 1 aussi dans le club des 5, puisqu'on va revenir sur la très très belle victoire de Monaco. Enfin, la très très belle, l'in-extremis victoire de Monaco cet après-midi. 3-2 face au Stade Rennais, notamment grâce à sa belle paire, à son duo magique, Wissam Ben Yedder, Islam Slimani, les princes de la Ligue. On l'a titré ce soir en miniature. On va revenir un petit peu sur... la manière dont ils font monter l'AS Monaco depuis leur arrivée et depuis l'installation de leur duo. On va en parler donc dans quelques instants dans le club des 5. On parlera également de la victoire de Marseille. Ça vient de s'achever 2-0 ce soir face à Strasbourg. Marseille aussi qui se relance après sa défaite à Amiens juste avant la trêve. On reviendra un petit peu sur les performances des Marseillais ce soir à une semaine du classique. Et on verra d'ailleurs si André Villas-Boas a plus d'infos sur la compo qu'il va aligner au Parc des Princes. Et puis on parlera du derby d'Angleterre. C'est notre main event de la journée avec ce match nul un partout. À Old Trafford cet après-midi, Manchester United qui peut nourrir des regrets après ce nul dans ce derby. On va revenir sur la belle performance des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. À l'inverse, on parlera de Liverpool qui s'en sort bien, qui a été un peu malmené sans son maître à jouer, Emiliano Sala. Voilà, il y a eu quelques soucis côté Reds, on va pouvoir en parler dans le club des 5. La question du soir, les amis, on attend vos réponses nombreuses. Ben Yedder et Islam Slimani peuvent-ils emmener l'AS Monaco sur le podium? On l'avait dit, hein, on le sait d'ailleurs, et on va en parler dans quelques instants. Le point faible de l'AS Monaco, c'est sa défense. Son point fort maintenant, et c'est désormais une certitude pour tout le monde après les 10 premières journées de Ligue 1, c'est son attaque. Est-ce que cette attaque-là, elle peut ramener l'AS Monaco sur le podium de Ligue 1, en rappelant bien sûr que les Monégasques ne jouent que la Ligue 1 cette année et les coupes françaises. Donc sur le principe, l'enchaînement des matchs ne devrait pas être trop pénalisant. Donc allez-y, répondez-nous, nombreux, hein, ceux qui sont sur le chat bien sûr avec moi, je vais tout de suite, comme tous les soirs, l'activer pour avoir toutes vos réactions. Et ceux qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à aller mettre votre réaction bien sûr, hein, sous la vidéo. C'est très important. Donc j'ai donné la question du soir juste avant de démarrer notre émission. Comme tous les soirs, voilà, je fais le même geste, je suis devenu un spécialiste des pouces, les pouces bleus les amis, vous le savez sous la vidéo, je donne moi une dizaine de pouces bleus. Alors, il y a un bug YouTube, hein, me disaient les socios il y a quelques jours, il y a un bug YouTube, maintenant il faut recharger à chaque fois la vidéo pour voir l'actualisation pardon, des likes sur la vidéo, donc allez-y les socios, likez, et moi j'actualiserai le plus souvent possible pour pas vous engueuler comme le soir, j'ai dit on a que 10 likes, je comprends pas, ça fait 2 heures d'émission, et en fait il y en avait 100. Mais voilà, mais c'est comme
comme ça, ça arrive. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien sûr, c'est très important à la chaîne, le club des 46 000 abonnés aujourd'hui. D'ailleurs, ça monte, hein, objectif 50 000 avant la fin octobre, ça va être compliqué, mais on sait jamais, hein, sur un malentendu, ça peut passer. On va s'en rapprocher. Et on va s'en rapprocher, exactement. Et puis continuer à rejoindre nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Également, aller sur Winamax, très important, si vous voulez participer tous les soirs à notre émission Les Paris du CD5 by Winamax, et ben allez-y, allez sur Winamax, comme ça vous pouvez vous inscrire, entrer le code promo CD5 lors de votre premier dépôt, et ça vous permettra tout au long de l'année de pouvoir jouer avec nous, ça nous permettra toute l'année de pouvoir jouer avec nous à plusieurs jeux, etc. Enfin voilà, ce sera sympa, on sera ensemble. Et puis on profite de dire autre chose. Vous pourrez battre Walid, c'est ça qui sera beau. C'est ça exactement. Ouais, voilà, c'est pas très compliqué en ce moment. On me dit d'ailleurs que j'ai dit Emiliano Sala au lieu de Mohamed Sala en parlant de Liverpool. Voilà, on rend hommage bien sûr à Emiliano Sala. Ça prouve qu'il est encore avec nous. Exactement, ouais. Exactement. Ça prouve qu'il est encore dans toutes les mémoires, donc quelque part il vit encore à travers nous, et c'est comme ça que c'est beau. On va pouvoir commencer l'émission sur ces belles paroles, les amis, et parler de l'AS Monaco qui s'est imposé face à un club qui était un peu ennemi du dernier club d'Emiliano Sala, le FC Nantes et le Stade Rennais. 3-2 ce soir pour l'AS Monaco, avec l'ouverture du score rapide des Monégas, signé Ben Yedder sur un service de notre ami Islam Slimani. Derrière, en revanche, Fethou Mabouassa va égaliser très rapidement pour le Stade Rennais sur une très très belle action. Au retour des vestiaires, Adrien Younou profite d'une énorme erreur de la défense monégasque. On va y revenir bien sûr dans l'émission, dans les débats qu'on va aborder. Et puis derrière, c'est le duo Islam Slimani, Wissam Ben Yedder qui se remet en route. Égalisation de l'international et champion d'Afrique algérien. Et ensuite, c'est le français qui, dans les dernières minutes du match, marque un but tout simplement magnifique. Un but de renard, un but d'attaquant qui permet donc à Monaco de se reprendre après sa défaite, on se souvient, à Montpellier juste avant la trêve. C'est vrai qu'on a vécu un match fou, Walid. Ouais. En ce moment, c'est le cas avec Walid, avec Monaco. Des matchs assez, avec pas mal de buts, hein, effectivement, avec des scénarios à rebondissement. Mais un match fou, mais un match que Monaco va gagner, ça fait forcément du bien. Ouais, à l'image du déséquilibre qu'on peut voir dans l'équipe de Monaco, on le répète depuis le début de saison, aujourd'hui ça passe parce que tu as une grosse qualité offensive, mais tu aurais pu perdre le match ou faire match nul parce que Rennes a eu aussi quelques spots pour aller chercher un résultat et sortir de cette rencontre avec un point ou plus. Donc voilà, on a vu une équipe de Monaco rentrer tambour battant dans cette rencontre avec 15 premières minutes abouties. On a essayé de chercher très très haut Slimani ou Ben Yedder avec la qualité de passe notamment d'Adrien Silva ou de Fabregas, ou l'abattage physique de Bakayoko. Et puis t'as ce but de Mawasa un peu venu d'ailleurs où il prend le ballon, t'as Fabregas et Aguilar qui le laisse faire ce qu'il veut, et puis il te met un but extraordinaire, et ça rabat un petit peu les cartes sur cette première mi-temps. Et au fil de la rencontre, Rennes a commencé un peu à sortir avec ce 3-5-2 qui était un peu calqué par rapport à celui de Jardim. Ils ont eu des opportunités, ils ont profité encore une fois des largesses défensives, parce que ce soit sur le premier but et le deuxième, tu parlais de tout à l'heure de Gilles Dias qui fait n'importe quoi sur le deuxième but, c'est pas possible de défendre de cette façon. Alors quand c'est pas Gilles Dias, c'est pas Jemerson, c'est Gilles Dias. Exactement, c'est Glick. Quand c'est pas Glick, c'est Aguilar comme contre l'OM. Exactement, donc voilà, collectivement et individuellement, c'est très très faible Monaco. Ils sont à chaque fois dépendants des exploits individuels ou de la complicité du duo de devant, mais je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, victoire qui fait du bien, parce que dans les 20 dernières minutes, je trouve que Jardim a fait quand même des choix intéressants, notamment l'entrée de Balde Keïta qui a amené un peu de peps. Il faut savoir que sur l'action juste d'avant, t'as un but refusé à cause d'une main, et t'as Salin qui, le gardien de Rennes, qui fait une erreur immense, et tu te dis que Monaco allait faire match nul, et finalement non, ils ont été encore la chercher sur un très très beau but de Ben Yedder. C'est une victoire qui va leur faire du bien, en espérant qu'ils enchaînent les victoires, parce qu'en Ligue 1, je suis persuadé qu'il y a vraiment la matière pour faire podium. Oui, Alpha. Non, mais juste, je voulais juste demander rapidement, à part le changement Balde Keïta, t'as trouvé qu'il a été très intéressant dans les changements et dans son repositionnement tactique? Par rapport au changement de Balde Keïta, il n'a pas fait du poste pour poste, il a gardé Ben Yedder et Slimani qui étaient très très importants. C'est Fabregas qui sort. Voilà, exactement, et il repasse il est en 3-5-2 avec un milieu à 3, il repasse en 3-4-1. Parce que moi je les ai trouvés beaucoup plus en difficulté quand il change de système justement, et Rennes, je les ai trouvés beaucoup plus intéressants en deuxième mi-temps et sur la fin de match.
match. Après, tu as ce but forcément de Ben Yedder qui est un but de classe mondiale, il n'est plus à présenter. Non, mais sinon, c'était juste pour dire que oui, sur la deuxième mi-temps, moi, je les trouve beaucoup plus en difficulté, même si en première mi-temps, ils sont très heureux de rentrer avec le 1 but partout. Pour moi, Monaco maîtrise complètement les débats en première mi-temps. Et les Rennais, moi, je pense que ça fait super longtemps depuis que Stéphane est là, et même peut-être même voir plus derrière avec Montagnier ou tout ce qu'on a connu avant, de voir une équipe rennaise et la Mouchi aussi, de voir une équipe rennaise aussi amorphe, aussi en manque d'intensité, aussi en manque de conviction en première mi-temps. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et sous Julien Stéphane, je pense que, je ne sais pas si on a les supporters rennais avec nous qui pourraient témoigner, mais je pense, ou dans le replay. Je pense pas avoir vu ça cette saison, et Dieu sait que ces derniers matchs, c'est très compliqué dans l'animation offensive des Rennais, c'est très compliqué avec les nouveaux qui viennent d'arriver. Enfin bref, ça on va en parler tout à l'heure. Mais on peut en dire un mot tout de suite des Rennais. Non, mais tant qu'à faire, c'est vrai qu'on peut en dire un mot tout de suite. On n'avait pas prévu de s'y éterniser sur le cas du Stade Rennais, notamment parce qu'on va en reparler jeudi en Europa League et que voilà, ça peut nous permettre aussi d'avoir un bilan différent. Mais regardez effectivement, pour illustrer ce que tu disais Alpha, les 10 derniers résultats du Stade de Rennes, toutes compétitions confondues, on le voit, la dernière victoire aller contre Strasbourg, et depuis cette défaite contre Nice, il n'y a pas eu une seule fois une victoire remportée par le Stade Rennais. Et comme tu l'as dit, Alpha, c'est la manière en fait qui inquiète. C'est des résultats logiques finalement. C'est des résultats logiques. Quand on voit sur l'ensemble de la production aujourd'hui, on a parlé de la deuxième mi-temps où notamment moi je les ai trouvés beaucoup mieux dans la cohésion collective, dans les enchaînements, dans l'animation offensive un petit peu. Maintenant voilà, faut pas oublier que cette équipe de Rennes aujourd'hui, on va rapidement, parce que le football c'est une produit de consommation d'entraîneurs, comme le disait Carlo Ancelotti dans un de ses bouquins. Le débat Stéphane, il est déjà lancé. Il faut savoir que face au Celtic. Quand on ne gagne pas pendant 9 matchs, on l'a vu dans le Rhône il y a quelques jours. Le premier fusible qui va sauter, c'est le coach. Moi, je veux juste dire que tactiquement, je ne pense pas que c'est un problème tactique au fait du côté de Rennes. Voilà. Parce que non. Face au Celtic, quand on joue en 4-3-3, tu as des problèmes d'animation, tu as des problèmes de création d'occasion. Face à Lille, tu joues dans une animation différente, tu as aussi ces problèmes-là. Face à Marseille, tu fais un bon match, mais tu joues dans une défense à 5, 3 ou à 5, c'est comme on veut. Donc voilà, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que du côté de Rennes, il ne faut pas qu'on se trompe de débat, et je pense que les dirigeants peuvent faire confiance encore à Stéphane, mais c'est plus dans le fait d'avoir perdu des cadres qui sont super importants. Sarr, peut-être qu'il va nous faire une gagnante qui va revenir, comme il l'a fait avec Séville. On a également perdu des joueurs comme Ben Sebaini, des leaders. Quand tu vois aujourd'hui que du côté de Rennes, ton leader sur le terrain, le mec qui te fait rayonner tes matchs, c'est un gamin de 16 ans, à partir de là, moi j'ai contribué beaucoup. Mais il y a déjà cet effet. On rappelle que Rennes a battu le Paris Saint-Germain lors de la deuxième journée. Bon, ça va très vite au football. C'est la dernière fois que Rennes sortait un peu le bout de son nez, parce que, comme le dit Alpha, sur le côté créatif, sur le côté technique, le Stade Rennais, depuis beaucoup, beaucoup de matchs, commence vraiment à ne plus du tout savoir quoi faire. Et je pense que cette équipe-là, il faut remonter à Lamouchi déjà pour comprendre. Quand Lamouchi est parti, Stéphane est arrivé, il y a eu une sorte d'éclaircie qui a duré quelques temps. Derrière, c'est plus qu'une éclaircie pour le coup pour le Stade Rennais. Ils ont gagné une Coupe de France, mais en championnat, c'est resté pauvre. Ils n'ont pas fait une super saison au championnat l'année dernière, il me semble. C'est un peu le phénomène de ces équipes-là qui changent d'entraîneur, ont une éclaircie et retombent dans leur travers, parce que tout simplement, je pense que ce groupe, cet effectif rennais, à l'exception de 2-3 joueurs par saison, à chaque fois, tu retombes un peu dans cette mentalité assez laxiste. Bien sûr. Les joueurs font les efforts dans un premier temps, et après, derrière, tu t'aperçois qu'ils redeviennent l'ombre d'eux-mêmes, un peu comme le Nantais avec la Mouchi, et là, tu vas changer d'entraîneur, et qu'est-ce qui va se passer? Vous avez disparu un instant, ils vont faire 4-5 matchs de qualité, et puis ça va redevenir comme c'est déjà en train d'être actuellement avec Stéphane. Et à chaque fois, tu n'arrives pas à changer les mentalités. Et c'est pareil à Bordeaux, c'est pareil à Saint-Etienne, c'est pareil dans beaucoup de clubs. Non, mais c'est vrai, c'est un bis repetita. T'as des éclaircies par moment, mais à chaque fois, c'est la même chose. T'as aucun club qui continue à aller vers l'avant. Et ça, c'est un problème, parce que je pense que Rennes, quand tu vois un joueur comme Camavinga, ils ont aussi d'autres très bons joueurs dans son formation, mais là, on peut parler de Camavinga, qui effectivement est le seul joueur qui se dit « Bon, bah là, moi, je rayonne tout seul au milieu, dans 2 ans, je suis parti, et puis ils ne m'auront jamais utilisé avec une équipe autour de moi ou quelque chose. » Mais ce qui est dommage, dans le constat que vous dressez un petit peu, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Walid, c'est qu'on a l'impression que Julien Stéphane, à qui ont prêté énormément de qualité, énormément de projets, enfin, un projet vraiment bien défini avec le Stade Rennais, notamment dans le jeu, on a le sentiment qu'il est de plus en plus impuissant et qu'on s'est peut-être aussi trompé sur son cas. Et comme je viens de le dire, on sait qu'en Ligue 1, un entraîneur, ça se vire vite. Pas forcément trompé. Après, c'est un jeune entraîneur, il faut lui laisser du temps. Et je pense que Rennes est le bon club. Ouais, mais est-ce qu'il en aura en Ligue 1 déjà. Maintenant, le gros problème, et je le disais déjà en début de saison. Je te coupe, mais c'est vrai que Spoufi nous rappelle qu'il n'y a que 8 points d'écart entre Bordeaux, qui est 6e, et la Lanterne Rouge, qui est. On verra dans le classement dans quelques instants. C'est pour analyser. C'est Strasbourg, je crois.
Valentin Arroyo. C'est dur d'analyser, quoi qu'il arrive, la situation des clubs. Il fait 12 points, je crois, en 4 matchs. Là, depuis, il n'avance plus. Maintenant, il y a un gros problème, et je l'ai dit, moi, qualitatif au poste de deuxième numéro 9 derrière Mbanyang. Et je trouve qu'entre le milieu de terrain et Mbanyang, il n'y a pas, que ce soit une ou, on en a fait des débats. Je pense que les socios nous ont entendu là-dessus. On va pas se répéter. Je pense que ce choix-là, ça va être très, très compliqué de faire avec. Maintenant, moi, ce qui me dérange chez Stéphane, c'est que c'est souvent, encore une fois, il arrive à s'adapter à l'adversaire quand l'adversaire est plus fort, quand l'adversaire a plus de qualité. Mais quand il faut, parce que le match contre Monaco, ok, Monaco a plus de qualité intrinsèque en termes d'effectifs, mais moi j'essaye d'englober toute la série. Là, on dépasse un peu le match de Monaco. À chaque fois qu'il joue des petites équipes et qu'il faut vraiment jouer au ballon, qu'il faut vraiment impulser quelque chose, et quand c'est l'adversaire qui s'adapte à toi, il a beaucoup plus de mal. Et c'était le cas déjà l'année dernière, mais ça a été un peu éclipsé par rapport au fait d'armes, notamment cette victoire contre Lyon en Coupe de France en demi-finale, cette victoire contre le PSG en finale de Coupe de France et les beaux succès en Europa League. Et le 8e de finale en Europa League contre le Betis et contre Arsenal. Ouais. Donc voilà, mais sinon, la problématique, elle n'a jamais changé, et c'est le cas depuis un bon moment, et ça va être là où il doit progresser. On verra dès jeudi s'il aura réussi à corriger un peu le tir, hein, puisqu'il est même en Europa League. Hein, il a deux matchs nuls, mais il va falloir peut-être gagner un match pour essayer contre Cluj. Il a perdu contre Lazio. Oui, effectivement, il perd là-bas. Il y a eu deux matchs nuls français, mais il n'y aura pas eu deux matchs nuls de la même équipe, effectivement. Donc effectivement, le Stade Rennais, prochain rendez-vous, ce sera jeudi en Europa League. Il faudra vite relever la tête, et la semaine prochaine en Ligue 1 aussi, parce que la série, vous l'avez vu, elle est très, très compliquée. J'aimerais qu'on revienne, qu'on parle de l'AS Monaco, victorieux ce soir, hein, je vous le disais, qui s'est relevé après la défaite à Montpellier. C'est vrai que toutes les victoires obtenues par l'ASM depuis maintenant quelques semaines, elles sont toutes dues, même, je peux même enlever le quasiment, grâce à leur duo d'attaque, leur très beau mercato estival devant. C'est donc, devant. J'ai bien mis devant derrière, derrière le mercato estival. Justement, on va parler de ce déséquilibre, mais d'abord commençons effectivement par Slimani et Ben Yedder qui ont vraiment encore une fois porté cette équipe aujourd'hui. C'est vrai qu'Alpha, c'est un luxe pour Monaco. Rappelons-nous l'an dernier la saison compliquée qu'ils ont eue, parce que aussi il y avait peu de leaders offensifs, même si Falcao était toujours là. Là, on a le sentiment que on va voir tout de suite les stats des deux hommes cette saison. On a le sentiment que rien ne va les arrêter. Carrément, espérons que ça dure, parce que quand on voit comment ces deux réussissent à bonifier ce qui se passe à Monaco en ce moment, avec les difficultés qu'il y a derrière et avec les difficultés qu'il y a à former vraiment une animation et une cohésion, ce serait pas heureux pour les Monégasques de les voir se planter. Maintenant, je pense que c'est un club qui a une culture de duo d'attaquants qu'on connaît un petit peu déjà, avec Perso Morientes qui est passé, Falcao, Mbappé, aujourd'hui t'as Slimani Ben Yedder qui revient sur le devant. Voilà, aujourd'hui c'est deux joueurs qui se complètent complètement. Slimani est dans un rôle de pivot, dans un rôle de reviseur, et même dans un rôle de joueur technique assez fluide et assez intelligent dans son jeu, en une touche de balle directement à lancer Ben Yedder. Et Ben Yedder, il n'est pas présenté. Moi, quand il était venu à Monaco, je m'étais dit qu'il allait forcément tirer son épingle du jeu et qu'il allait porter cette attaque monégasque, et aujourd'hui il le fait parfaitement. Il n'y a qu'à voir le but du 3-2 qu'il met à la fin. Comme le dit Stéphane, c'est un joueur de classe mondiale. C'est pas tout le monde qui arrive à mettre ce genre de but là, et aujourd'hui ce qu'il y a du côté de Monaco, c'est vraiment cette entente. Alors il y a eu cet épisode du penalty où Slimani était venu prendre le ballon dans les mains de Ben Yedder. On a cru que ça allait créer un petit peu une sorte de Mbappé, plutôt de Neymar Cavani, mais on a vu qu'ils ont réussi à passer au-delà de ça. Ils ont réussi vraiment à mettre ça entre parenthèses. Aujourd'hui le collectif, ils arrivent à bonifier tout cela, ils arrivent vraiment à mettre en place quelque chose d'assez intéressant dans la relation qu'ils ont tous les deux, et espérons que ça dure, parce que je ne sais pas si... Mais justement, c'est un duo aujourd'hui, si on peut le définir, c'est un duo qui ne doute pas, Axel. C'est ce qui est intéressant. Aujourd'hui, on le voit, ils arrivent, et depuis le début de saison également, à marquer dans toutes les situations de match. Que ce soit pour ouvrir le score au début de match, quand il faut planter et tout de suite mettre l'adversaire sous pression, que ce soit pour égaliser quand Rennes a pris l'avantage avec le but de Slimani cet après-midi, que ce soit quand il faut aller chercher la victoire dans les dernières secondes comme Ben Yedder. Et il y a eu les matchs contre Nîmes, il y a les matchs contre Strasbourg aussi, on les a vus très performants. C'est là aussi, ils sont intéressants, c'est que le danger est là dans
en toutes circonstances. Il est là dans toutes circonstances, il est dans tous les compartiments du jeu parce qu'on a Ben Yedder qui joue dans les petits espaces, on a Slimani qui est capable de mettre des têtes, on a des joueurs qui sont capables de prendre la profondeur, de faire des passes décisives, ils sont capables d'intervertir les rôles alors que de base ils n'ont pas forcément les mêmes profils. Ça leur donne énormément de complémentarité. On a Slimani qui fait un travail de sap énorme sur les défenseurs, qui va aller harceler le porteur tout le temps, qui va aller gagner ses duels. On a un Ben Yedder qui est capable de trouver des décalages et des passes, de revenir au milieu de terrain pour faire un peu ce rôle de point d'appui qu'il est capable de faire, parce que techniquement c'est ultra juste ce qu'il fait à chaque fois. On a ce troisième but où je sais pas d'où il le sort et comment il fait, mais le troisième but il est juste incroyable de justesse. Et on a un duo qui fait fonctionner l'équipe, parce que je pense qu'on va y revenir après, mais en dessous c'est vraiment après, mec, vraiment très très léger, et ils ont vraiment beaucoup de chance que Slimani et Ben Yedder soient encore dans cet état de forme, parce que on connaît les saisons, ça s'ils arrivent à garder cet état de forme jusqu'à la fin, c'est magnifique, hein. Mais on connaît, il va y avoir c'est la question du soir, voilà, ce qu'ils peuvent amener à l'AS Monaco jusqu'au podium. Il va sûrement avoir des moments où ce sera un peu moins des trous d'air, voilà, un petit peu, ouais. Et si derrière ça fait comme ça en train de faire depuis le début de la saison, mais tu peux pas tenir, c'est pas possible. Ils prennent des buts sur des demi-occasions, ils se mettent, excuse-moi du terme, mais dans la merde tout le temps. On a des que ce soit Maripan qui a pas joué heureusement pour nous, ou des Dias, ou des, c'est une catastrophe devant. Et puis même quand tu as des joueurs comme Adrien Silva qui perdent le ballon au milieu de terrain, comme c'est sur le, il y a une grosse occasion au début, puis après il y a un but, Fabregas qui est lent, qui arrive pas à... et au final Slimani et Ben Yedder, ils te font le travail, même de s'il fait... est bon maintenant Fabregas depuis son oui, retour, oui, mais, on y reviendra, mais bien sûr ils sont tous bons de manière irrégulière, depuis sur certains aspects du jeu. Oui, ça se régasse, il arrivera toujours à faire un bon contrôle, à faire une bonne passe, mais derrière, est-ce que tu as l'intensité pour mener une équipe? Et j'ai envie de te dire, Slimani et Ben Yedder aujourd'hui, ils te font le travail des milieux de terrain, ils te font le premier travail défensif, exactement, ils te font le travail de d'attaque pour planter à la fin. C'est assez complet. C'est vrai que Walid, dans le duo, l'homme qui ressort le plus depuis le début de saison, c'est Islam Slimani. On s'attendait peut-être plutôt à Ben Yedder, qui vient quand même de faire des années en Liga. On rappelle que l'an dernier, c'est le deuxième meilleur buteur européen. Troisième meilleur buteur européen, quand même, notre ami Ben Yedder, enfin, sur la saison. C'est pas non plus rien. Là... Aujourd'hui, c'est plutôt, je le disais, Islam Slimani qui est le patron de l'AS Monaco. On a vu il y a quelques instants le nombre de passes et le nombre de buts. Il est déjà à 5 buts et à 8 passes décisives. À 7 passes décisives. Et puis surtout... C'est là où il a progressé, je pense. Exactement. En termes de passes décisives, en termes de justesse dans l'utilisation du ballon lorsqu'il le reçoit. Et regardez cette stat. Elle est assez exceptionnelle. Il est impliqué sur 5 buts et 7 passes décisives. D'ailleurs, il ne me semble pas que ce soit 6, hein, c'est 7. Donc il est même impliqué sur 12 buts lors de ces... depuis ses débuts en Ligue 1, vous voyez, en ayant disputé autant de matchs, seul Neymar avait fait mieux depuis 2006-2007. Donc c'est quand même significatif des débuts de Slimani en Ligue 1. On est vraiment, et puis on prend le match contre Brest, Walid, c'était Zinedine Zidane, hein, sur la pelouse, c'était pas Islam Slimani, quoi. Ah, ça, c'est vraiment que quand tu parles du duo et que tu parles de Slimani, il était pas là contre Reims, ça a fait 0-0 et tu sens qu'il y a une vraie dépendance. Et moi j'étais très très sceptique à son arrivée par rapport au choix de Jardim, même s'il l'avait connu au Sporting, parce que je l'ai vraiment suivi l'année dernière à Fenerbahçe sur les 6 premiers mois, et même pour avoir parlé avec beaucoup d'observateurs du club, notamment en Turquie, ça avait été très très compliqué. À Newcastle, la même chose, Benitez l'avait fait passer 3e voire 4e choix. À Leicester, post-titre, il avait eu du mal à s'acclimater avec Vardy. Même en sélection, il avait perdu sa place au profit de Bounedjah. Donc clairement, j'étais très très sceptique. Je me suis dit, tu récupères, tu récupères un mec qui quand même au placard en termes de dynamique sportive. Et depuis le début de saison, il me surprend. C'est-à-dire que même dans sa grosse période au Sporting, quand il avait mis 27 buts, c'est à ce moment-là qu'il part à Leicester. C'était un buteur besogneux, un joueur qui, de la tête, avait des grandes qualités, un mec qui pouvait faire de grandes courses, mais techniquement, il avait quelques lacunes. On lui reprochait souvent, que ça soit au pays ou au Sporting, de ne pas savoir faire jouer les autres. Même à Leicester. Et depuis le début de saison, c'est pas Slimani qu'on voit. C'est clairement Gabriel Jesus ou un Firmino. Un mec, tu parlais du match contre Brest. Il te donne 3 passes décisives extraordinaires. Il est dans le bon tempo. De partout, en plus. Voilà, il est juste. Il lève la tête. Et sincèrement, Ben Yedder, on le connaît, on le suit. Voilà, il a mis 18 buts en Liga dans l'un des meilleurs championnats au monde. C'est pas une surprise.
qui s'acclimate à la Ligue 1, Slimani. Sachant que il mettait 15 buts par saison. Exactement, déjà avant à Toulouse, partir, voilà. Toulouse quand c'était et à Toulouse, hein. Voilà, quand c'était faire, hein. sous Duprat. Donc c'est pas une surprise, mais Slimani, ce qu'il arrive à faire, oui, c'est fort. Après maintenant, encore une fois, comme l'a dit Axel, Phénoménon dit que c'est techniquement où il est le plus fort. Ah oui, mais moi je pense que même ceux qui suivent Slimani depuis le début, tu vois Slimani sur le terrain, tu sais que c'est pas le même joueur. Non, mais c'est pas le même joueur. Et pourtant c'est un joueur qui avait, c'est pourtant c'était un joueur qui avait des qualités. Mais maintenant comme l'a dit Axel, il va être scruté. Le duo, hein, au-delà de Slimani, hein, le duo, on voit que les mecs, j'ai l'impression qu'ils jouent ensemble depuis 10-15 ans. Ils se regardent les yeux fermés, ils se trouvent les yeux fermés. Et je pense que le système tactique adverse va être fait pour les bloquer. Slimani va avoir des prises à 2, des prises à 3. L'attente qu'on n'avait pas sur le début de saison va commencer à apparaître. Tu vas avoir contre une vraie défense centrale. Exactement, et ça va être là. Ça va être là où, ça va être là où le vrai révélateur. Mais pour l'instant, c'est impressionnant ce qu'il fait. Parce que sans les deux, Monaco... Il surprend beaucoup, c'est sûr. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, quand tu commences à présenter, je dis là où il impressionne le plus. Là où moi, il me surprend, comme tout le monde ici, je pense qu'on l'a tous vu sur la trajectoire de sa carrière, c'est plus un buteur besogneux, comme le disait Wally tout à l'heure, un petit peu à la Olivier Giroud, un petit peu ce genre d'attaquant qui va aller chercher le ballon au deuxième poteau, qui va s'arracher, qui va te faire une passe du bout de la semelle et tout, mais pas dans la justesse technique qu'on connaît, contrôle porte-manteau directement entre les deux défenseurs et tout. Là, il le fait parfaitement à Monaco. Mais moi, je pense j'espère vraiment que là, il est en train de lancer une nouvelle page, un nouveau chapitre d'Islam Slimani dans sa carrière. Mais moi, j'ai peur un petit peu parce que quand tu le vois donner tout ça et être comme ça. Il est en sur-régime un peu. Parce que ça arrive à beaucoup d'attaquants d'être dans ce genre de style-là où tout te réussit. C'est-à-dire que tu as une période où même si tu mets une frappe de 35-40 mètres, tu la mets à lucarne. Sauf que là, c'est vrai que quand on dit tout l'a réussi, c'est juste offensivement. Hein, parce qu'après, je suis d'accord. Offensivement. Mais des fois, tu es en sur-régime parce que toute l'équipe l'est avec toi un petit peu. Là, c'est pas le cas. T'as cet attaquant qui, à tout ce qu'il touche, ça va se transformer en or. C'est-à-dire que même quand l'équipe fonctionne pas, eux, s'il suffit juste de toucher un ballon, ça va forcément se transformer en quelque chose. Ben Yedder, lui, il a ses références. On l'a dit, Liga, même en Ligue 1 avec Toulouse, c'était déjà un très bon joueur. Lui, il peut faire sa saison. Moi, je pense que c'est un joueur de classe mondiale et tout ce qu'on veut, tout ce qui peut suivre derrière. Slimani, moi, j'attends encore de voir. Certes, c'est la dixième journée. Mais déjà, certes, est-ce qu'il n'était pas d'accord pour dire que beaucoup de passes décisives. Ce qu'il a fait déjà, ce qu'il a apporté la Monaco, il a réussi sa saison. Il a réussi sa saison. C'est vrai qu'il est à 8 passes D1, d'ailleurs, c'est pas ça. 7. On a fait une erreur, c'est ni 6 ni 7. C'est énorme. 8 passes D1. T'as des joueurs qui finissent comme ça et qui sont très bons. 5 buts. 8 passes D1, 5 buts, c'est une très bonne saison déjà. Enfin, c'est une très bonne saison. C'est une saison plus que correcte. Oui, mais carrément. Sur la 8ème passe D, c'est celle à l'OM, apparemment, elle n'est pas comptabilisée par la LFP. Alors qu'elle est magnifique, celle-là. En fait, c'est 7 ou 8, mais normalement, c'est 7. Mais c'est ça, c'est un peu cet imbroglio. C'est que c'est partout sur le terrain, c'est ça. C'est que Islam Slimani, tu le vois décrocher, voilà, prendre les ballons, faire des passes en profondeur. Mais c'est pour ça que je vous dis, ce qui m'a impressionné, c'est que j'avais vu le match de Brest qui avait été magnifique et le lendemain, il y avait une capsule qui circulait sur les réseaux où c'était une camiso sur Slimani, 2-30 de son match. Le déplacement et tout. Son match contre Nice, son match contre Strasbourg là-bas où il y a deux partout, dans un autre registre, je crois que Ben Yedder ne joue pas parce qu'il faut rappeler que Ben Yedder s'est blessé après son doublé contre l'OM. Face à Nice aussi, exactement, c'est-à-dire que même sans Ben Yedder, il a réussi à prendre c'est parce qu'il impulse, il a une énergie. Et moi, je peux comprendre le sur-régime. Moi aussi, je me pose des questions comme Alpha. Maintenant, c'est pas en fait un... C'est pas négatif. Bien entendu, mais c'est pas un sur-régime de finition. Un mec qui plante à chaque fois, c'est dans la construction, c'est-à-dire que il fait très très peu de mauvais choix et ça dure depuis 10 matchs. Donc encore une fois, je me dis, si encore t'es face à un attaquant qui rentre tout dans n'importe quelle position, là je peux me dire oui, attention. Là, ce qui m'étonne, c'est que c'est des choix, des petites passes du jeu en triangle. C'est l'énergie. Il trouve Fabregas, etc. Ouais, mais Walid. C'est des choix intelligents, c'est dans l'intelligence de jeu. Je suis complètement d'accord. Le seul truc, c'est que là, tu vois, la surperformance, elle peut venir de l'attitude physique. C'est un joueur, comme t'as dit, il a beaucoup été remplacé. Il a peu joué sur la dernière saison. Là, il enchaîne vraiment les matchs. Tu peux te dire, voilà, vers décembre, janvier, t'as plus la même forme physique, donc t'as plus forcément la même lucidité pour mettre les cavers qu'il met. Non, mais il a non seulement ça, il a cette envie de revanche. On sait que c'est quelqu'un qui fonctionne un petit peu comme ça. Il a envie d'être piqué, il a envie de se sentir un petit peu dos au mur. Et il a cette fraîcheur physique-là qui, pour moi, fait qu'il se déplace énormément entre les lignes et il est très mobile sur le terrain. Tu le disais, il est un peu partout. Et il a également cette envie de revanche parce qu'il ne faut pas oublier, Wally le dit, enterré à la canne alors que c'était lui il y a quelques années qui était à la tête de l'attaque de Fenech. Alors que voilà, en une ou deux années, il a vu un petit peu son statut dégradé.
dégringoler. Et là, il a cette occasion, cette opportunité. Faut rappeler quand il vient à Monaco, toutes les critiques des supporters. Bien sûr. On s'attendait à tel. Aujourd'hui, on voit que Slimani. Voilà. Cette envie-là. C'est une opportunité. Voilà. C'est immense pour sa carrière. Exactement. Et c'est un travailleur, c'est un bosseur. On ne peut pas lui enlever ça. Il y a Yas qui salue la philosophie de Walid Acharchour qui nous dit il se regarde les yeux fermés. Ah ouais, c'est vrai que. Même moi, je me le suis dit. Tu sais que quand j'ai dit la phrase. Je me suis dit, purée, ils se regardent les yeux fermés. C'est plutôt, ils se comprennent les yeux fermés, ils se trouvent les yeux fermés. Et c'est bien, ils sont attentifs. Oui, voilà. Ils sont attentifs. Et c'est vrai que l'image est belle, c'est vrai. Ouais, c'est ça. J'aimerais qu'on termine. Les phrases d'Elton et les phrases de Walidi. Les phrases d'Elton sont un peu plus J'ai vu ça, j'ai vu ça, les amis. Il y a un compte Twitter qui a été créé, les phrases d'Elton Mokolo, j'ai vu ça. Et le pire, c'est qu'Elton Mokolo les retweet. Donc je suis à deux doigts de me dire, est-ce que ce serait pas lui? Et le pire, c'est que c'est moi qui l'ai annoncé hier. J'ai dit, il y en a un qui va sur Twitter faire les phrases d'Elton Mokolo. C'est vrai. Ah ouais, mais tu vois plus les émissions, t'as changé. Dans quelle émission? Hier soir. Hier soir, je le dis. D'accord. Bah hier soir, on dormait, mon ami. Ah oui. On travaillait ce matin très tôt. Et oui. Il faut se mettre au service du PAF. Tu peux te faire le replay la journée. La journée, on dort pour être. On dort. Après, on regarde les matchs. Tu dors tout le temps en fait. Mais non, on se réveille à 2h du matin, donc on dort jusqu'à 2h du matin. On loupe le club des 5 du coup. Un inside de la vie de Sam. Avec plaisir. Il y a pas de souci. Vous verrez qu'il y a beaucoup de mensonges. Ouais. Et vous verrez qu'il y a peu d'activité surtout. Qu'on termine sur l'AS Monaco parce que c'est vrai que là on vient de dire que du bien des deux hommes du début de saison, mais tout ce qu'il y a autour est pas aussi enchantant. C'est vrai, voilà, tu le développais un petit peu déjà, Axel, tout à l'heure. On sent qu'il y a une grosse fébrilité. Les deux buts qui sont pris, bon, Feitou Mawasa, c'est un peu plus un exploit individuel, même si on peut revenir sur. Mais sur le match, il est pas bon. Mais je veux dire, sur. Défensivement, je parle de Monaco. Sur le but de Mawasa. Sur Feitou Mawasa, il va te faire 1 minute sur Feitou Mawasa. C'est plus un exploit personnel, mais la défense de Monaco est en faute aussi. Sur le deuxième but, c'est un cadeau. Et on a senti quand même l'ASM à certains moments être fébrile et que ça peut craquer à tout moment. Et on l'a vu notamment à Montpellier avec un joueur. Ah, mais c'est clair, mais ils n'ont pas du tout cette assise défensive. Ils n'y arrivent pas du tout. Jardim, en plus, il retrouve les hommes du titre. Il a toujours Jemerson, toujours Glick, mais là, il ne fonctionne pas du tout comme il y a 3 ans. Et c'est très problématique, surtout quand tu vas aller chercher des défenseurs centraux comme Maripane, comme Diaz. C'est même pas un défenseur. Naldo, il a la cave, Naldo, là, on sait pas où il est. Badiachil. Ah, Naldo, Jardim m'a dit qu'il en voulait pas. Bah oui, il est arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Il vient d'arriver. Il arrive en janvier, Naldo. T'en veux plus là. En mars, il en voulait plus. Hein, on l'a plus revu depuis mars. C'est problématique. Tu te dis qu'il y a vraiment aucune solution pour arriver à faire jouer cette défense correctement. Et puis derrière, t'as Lecomte qui essaye tant bien que mal de faire des parades, mais c'est compliqué. Il est pas exempt de reproches tout le temps non plus. Et t'as rien. En fait, cette transition, moi je pense déjà, le premier élément, il est sur le milieu de terrain. Un milieu de terrain, Adrien Silva, Cesc Fabregas. Si tu laisses les deux comme ça. Il y a Bakayoko qui fait un gros match. Il y a Bakayoko qui fait un gros match. Mais moi je trouve que Bakayoko, ces deux-là, c'est compliqué. Oui, non, c'est vrai. Bakayoko, et ça a souligné que Bakayoko, c'est peut-être le seul qui essaie de sauver un peu. Mais pour moi, quand tu as Adrien Silva et Cesc Fabregas en plus de Bakayoko, pour moi, c'est pas suffisant quand tu as autant de tares défensivement. Tu dois essayer de trouver une solution. En 5-5. Non, le problème, c'est que tu n'as pas. Le problème, c'est que tu n'as pas. En 5-4-2. Le problème, c'est que tu n'as pas. Comment expliquer? Tu n'as pas les joueurs en défense centrale pour pallier ton problème. Donc, il ne faut pas les retrouver. Mais déjà, ce que je veux dire, au milieu de terrain, tu en as déjà plus. Ouais, mais ta défense à 5, elle fonctionne pas. Donc, au final, il faut bien changer les choses. Oui, si tu me fais un constat de ce qui se passe à Monaco depuis pas mal de temps maintenant, il n'y a rien qui se passe. Pour moi, la solution. Tactiquement, parce que tu me dis qu'aujourd'hui, si Bakayo, Adrien Silva, Fabregas, un milieu à 3 devant une défense à 5. On rappelle que Golovin va revenir aussi. Oui, pour moi, il y a Adrien Silva ou Cesc Fabregas. Pour moi, il doit se passer une histoire, il doit se passer quelque chose avec un milieu de terrain. Non, mais moi, je pense plus en forme, plus dans l'impact physique. Ça pouvait marcher avant, quand Fabregas était un petit peu plus bas sur le terrain, avant le match face à Nice notamment. Il n'a plus la dépense physique. Non, mais cette dépense physique, il n'en a plus besoin. Sur le match d'aujourd'hui, il est très bon. Sur le match contre Nice, où Golovin est excellent, il est très bon aussi, Fabregas. Je pense que quand tu le décharges de ce travail physique-là, on l'avait dit, sur le début de saison où ça jouait en 4-4-2, où il était avec Bakayoko au milieu de terrain, on sentait que Bakayoko avait besoin de cette assistance-là, de cette aide au milieu de terrain, comme il avait avec Fabinho. Du ballon récupéré quand même, il l'a gratté. Oui, mais bien sûr, il peut les gratter, les quelques ballons, de par son intelligence, de par son placement et tout, mais la débauche d'énergie dont parle Axel, de cette envie de se projeter directement, on sait qu'il a plus ses jambes de 20 ans, et même quand il les avait, c'était pas forcément son point fort, Fabregas. Donc aujourd'hui, du moment où il est isolé de ce travail physique-là et qu'il est en 10 derrière ces deux attaquants-là, on sait qu'il a cette qualité de passe, on sait qu'il a cette vision, cette vista. Même si je te rejoins un petit peu sur le premier, c'est-à-dire sur le premier pressing qu'on peut déclencher pour empêcher le but de Mawasa, par exemple, je pense que le ballon qui aurait pu être récupéré très haut, c'est là où je te rejoins un petit peu, c'est-à-dire que le travail défensif, les premiers défenseurs
défenseurs, ce sont les joueurs offensifs. C'est-à-dire que les attaquants et le milieu de terrain, même si c'est un meneur de jeu, doivent avoir cette capacité, cette force dans les jambes pour aller directement récupérer le ballon dès la perte de balle. Alors Fabregas, il traîne un petit peu la patte, donc voilà, il aurait pu gratter quelques ballons qui auraient pu ne pas être dangereux pour la défense ou le milieu de terrain. Mais je pense que le milieu, il est complémentaire. Juste la seule précision que je veux donner, c'est Sergio Fabregas, évidemment, comme tu as dit, si tu l'entoures avec deux milieux qui sont capables de faire le travail, bah Sergio Fabregas, le manque de travail, tu ne le verras peut-être pas. Et puis dans la passe, dans le contrôle, il est bon. Voilà. Moi, Silva surtout, ou Golovin, moi, c'est surtout. C'est surtout pour moi, c'est surtout sur Adrien Silva que je vais mettre le de toute façon, Adrien Silva, c'est une déception depuis janvier. Adrien Silva, pour moi, je suis vraiment pas fan. Je trouve que dans l'intensité, même dans ce qu'il est capable d'amener de base, il ne l'amène pas forcément. Ses passes ne sont pas tout le temps sécures. La récupération du ballon, je ne sais même pas quelles sont ses stats par rapport à Fabregas, mais pour moi, quand tu mets un joueur comme Fabregas, tu vas avoir un mec qui récupère au moins deux fois. Je préfère 100 fois plus Bakayoko, ce qu'il apporte. Mais c'est pas que, même que, c'est que pas le même profil. Et ben moi, je suis en train de te dire que peut-être que les problèmes défensifs de Monaco, comme tu ne peux pas les régler en intervertissant et en changeant les défenseurs de match en match, tu peux peut-être les régler en enlevant un milieu de terrain peut-être un peu plus créatif, même si Adrien Silva, il est aussi dans ce côté récupération, et en mettant un milieu de terrain différent d'Adrien Silva. Je pense qu'avec Golovin, ça marche pas beaucoup mieux. Oui, dans notre registre. C'est ce qu'on a vu sur les derniers matchs. Walid, rapidement, on passe à l'OM. L'association des trois a montré que ça a atténué un peu l'équilibre de l'équipe, notamment depuis le match contre Reims, où ça fait 0-0 là-bas. Après, tu as le match contre Nice où tu gagnes. Bah justement, depuis le match contre Nice où ils changent de système, ouais, Silva, il joue plus. Exactement, joue plus aujourd'hui. Bien sûr, mais que ce soit entre Golovin et Silva, de toute façon, ils se partagent la place. C'est plutôt Golovin qui est titulaire. Oui, mais aujourd'hui, Silva, aujourd'hui, Silva, même s'il a perdu 2-3 ballons, mais je trouve que dans l'engagement, et notamment en deuxième mi-temps, même sa rentrée contre l'OM sur les 30 dernières minutes, c'était plutôt bon. Maintenant, là où je voulais quand même parler, c'était surtout défensivement, parce que le milieu de terrain, c'est très bien, mais défensivement, quand tu as une équipe comme Monaco qui, à chaque fois qu'ils vont jouer en Ligue 1, tu as l'assurance, hormis Reims, que tu prennes un but d'office, donc tu commences à moins 1. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as Glick, tu as Jemerson ou tu as n'importe qui vont te faire une bavure et qui vont te coûter un but, voire deux. Parce que si tu regardes la moyenne de buts pris, je sais pas si tu as les buts pris depuis le début de saison, mais c'est quand même affolant. Ça soit deux contre Nîmes, je vais te les faire, deux contre Nîmes, deux ce soir, trois à Metz, quatre contre Marseille, la liste elle est longue. Et encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup d'erreurs. Même dans les victoires, contre Brest. Donc c'est-à-dire que tu t'imagines ce qu'il faut faire pour gagner, faut mettre minimum deux ou trois buts. Et ça peut te pénaliser pour... Les dernières victoires, je pense qu'à chaque fois, ils mettent 3 buts. Exactement, ouais, c'est ça. Et c'est un gros problème. C'est même quand tu mènes 2-0, à Strasbourg, Strasbourg t'en prends 2. Contre Nîmes, Exactement, contre Nîmes, c'est la même chose. Après, même s'il y avait eu le rouge de Jemerson contre Nîmes... Oui, mais ça va avec la fébrilité de ton équipe. Qui te casse un peu les pattes. Mais sincèrement, aujourd'hui, je pense que quand tu regardes intrinsèquement... 21 buts pour Monaco. 21 buts, c'est affolant. C'est quand même la deuxième meilleure attaque. Ce qui est fou aussi. Si tu regardes intrinsèquement, joueur pire défense de Ligue 1 et deuxième attaque. Aguilar, c'était un bon joueur à Montpellier depuis qu'il est arrivé. Il est mauvais. On le reconnaît plus. Que ce soit à 4 à plat ou à 5. Balotouré était plutôt bon à Lille depuis qu'il arrive à Monaco. Il ne jouait pas à Lille. Il a quand même joué un peu Balotouré. Oui, mais avant d'arriver à Monaco, il joue plus. Mais quand il était à Lille, il n'était pas. T'es piston quand tes défenseurs centraux ils sont pas là. Il était plus. Était plutôt intéressant. Glick et Jemerson, on ne va pas en parler, on en parle depuis 2 ans, c'est une catastrophe. Gilles Dias ou Jelson Martins, ce ne sont pas des pistons. Donc clairement, tu prends. Même si moi, je trouve que Jelson Martins fait un super travail. Mais encore une fois, ce ne sont pas des pistons de métier. Je trouve que c'est un peu gâché. Et puis surtout, il va t'apporter parce qu'il arrive de loin et parce qu'il a cette insouciance un petit peu, mais défensivement, dans son dos, il y a 2-3 errements défensifs. Après, il faut avoir un équilibre. Donc ça va. Pas les défenseurs donc ça va être. Que des joueurs. Oui, mais tu n'as pas les défenseurs. Pour jouer à 4, t'as pas les défenseurs. Pour jouer à 3, t'as que des profils pareils. Regardez, Glick, Jemerson, tous ces joueurs. Jemerson, je vais même pas en parler parce qu'aujourd'hui, c'est même plus un joueur de football. Non, en toute honnêteté, non, Jemerson, sur certaines actions, c'est très compliqué. Je vais pas te contredire. Si je prends Maripane, c'est un joueur de football, mais. C'est des joueurs. Faire des matchs contre le Real Madrid. Mais sur ça, c'est ça en fait. Glick gagner du titre, il est plus qu'intéressant. Récemment, c'est comme Aguilar, comme il le dit. Aguilar à Montpellier, il est très bon. Ces défenseurs-là,
normalement, tu dois les avoir. Et c'est pas le profil. Les mecs, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. À Monaco, dans ce contexte-là, tous, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. En défense, ouais. C'est psychologiquement. C'est le talon d'Achille cette saison pour l'AS Monaco. Et c'est ce qui déterminera aussi leur classement final. Hein, parce c'est que, clair. On vient de le dire, grosse attaque, mais aussi défense très fébrile. Donc, faudra que le contrepoids soit pas trop en la défaveur des monégasques. 14e pour l'instant, Monaco, on verra le classement dans quelques instants. On verra le classement dans quelques instants après avoir parlé de Marseille. Je voudrais juste saluer les socios qui sont avec nous, vous rappeler qu'il faut liker, les amis, liker, c'est très important. Et répondre également à la question du soir, dites-nous, tous ceux qui nous suivent, de français d'ailleurs, tiens, on salue Franck. Franck Dong qui nous dit qu'il nous suit depuis... Le Cameroun. Non, Dong. Le Gabon. Ouais. Le Gabon, bien sûr. Il nous dit big up à nous, big up à lui également, on le salue, ainsi qu'à tous les Gabonais qui nous regardent. C'est quand même un choix préférentiel dans les... Ah ouais, bon, ouais. Clairement, moi j'assume. Moi j'assume, c'est très arbitraire. Donc voilà, tous les socios qui nous suivent, bien sûr, n'hésitez pas à répondre à la question. Pour tous ceux qui nous suivent d'ailleurs qu'au Gabon. Il y a que Franck qui nous a donné. Il y a que Franck qui nous a donné ses destinations. Après, tous les soirs sur le chat, on ça fait très très longtemps alors que tu as pas. On en a plein, on a des socios qui nous suivent de la Californie notamment, qui sont là tous les soirs, on les salue. Ouais, rattrape-toi. Voilà, mais non, rattrape-toi, bien sûr. Mais on salue ceux qui sont là et qui nous disent d'où ils viennent ce soir. Allez-y, dites-nous les choses d'où vous nous regardez. Tiens, allez-y. Il veut se rattraper. Ça fera du commentaire sur le chat. C'est ça, c'est ça. On aura de l'interactivité. On va passer à l'Olympique de Marseille. Je sais que ça va faire plaisir à certains habitués du chat, comme Spoofy qui est avec nous quasiment comme tous les soirs. On va parler de l'OM qui se relance ce soir à domicile au Vélodrome. Hein. Première victoire depuis Saint-Etienne pour Marseille au Vélodrome, si je dis pas de bêtises. Ouais. Parce qu'il y avait eu le nul contre Montpellier entre temps, ouais. Et le match contre le Stade Rennais. Quatre matchs, ouais. Ouais, voilà, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Non, deux matchs, quatre matchs à toute compétition. Quatre matchs à toute compétition confondue. Enfin, toute compétition à l'extérieur et à domicile. À l'extérieur et à domicile, ouais. en Ligue 1, oui. Parce que toute compétition confondue, il n'y a pas beaucoup de compétition. Il n'y a pas grand chose à confondre, en fait. C'est quatre matchs en Ligue 1. Donc la Coupe de la Ligue n'a pas commencé, donc il y a très peu de matchs. Non, ce sera la semaine prochaine, d'ailleurs. On en parlera dans Club S5, parce qu'il y a un très bon match. La dernière Coupe de la Ligue, et ça commencera par un très beau Monaco-Marseille. Ouais, c'est ça. Ce sera mardi prochain. Donc, exactement. Enfin, pas ce mardi avec des champions, le mardi d'après. L'OM, donc, qui se relance. Voilà. Alors, juste avant de parler de l'OM, je salue tous les socios. On a Venom qui vient d'Alger, on a Abder qui est à Montréal, on a Psychobas qui est en Suisse. Voilà, comme quoi on est vraiment international. The Jiren Show qui est en Belgique, les Pays-Bas pour Sancho. Et oui, bien sûr, Mohamed qui est en Algérie, Bourges pour Sonic. Voilà, le 93 pour Curly. Enfin, voilà. On est écouté. Dans le monde entier, finalement. C'est beau. Prenez le globe et il y a du club des 5 partout. C'est magnifique. Parlons de l'Olympique de Marseille, enfin, qui se relance donc ce soir au Vélodrome, victoire 2-0 contre le Racing Club de Strasbourg. Ouverture du score très tôt de Bouba Camara, hein, qui trompe Matzel sur une frappe détournée par Ludo Ayork dès la 3e minute de jeu. Marseille ensuite a géré, ou en tout cas n'a pas été énormément mis à contribution non plus. Et puis en fin de match, Troutman qui transforme un pénalty obtenu par Benedetto, exactement, tout à fait. On va être sur une Drogba. On va être honnête, au moment où le pénalty est obtenu, moi je suis en train d'imprimer mes feuilles pour vite venir en plateau. Donc je vois le pénalty de Troutman, je vois pas la faute qui l'a causé. Néanmoins, Marseille s'est imposé ce soir, donc je le disais. Mais sans franchement briller, c'est vrai Alpha qu'on n'a pas vu un très grand OM. Après, l'important, c'est les trois points, hein, même si c'est pas très original. Ce que oui, un très grand OM, peut-être parce qu'on n'a pas aussi vu un très grand Strasbourg. Ça peut peut-être un petit peu expliquer cela. Mais oui, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un Marseille qui a été plutôt concentré, plutôt un petit peu maître de son sujet. Une première période complètement, je dirais pas dominée de bout en bout, mais en tout cas avec beaucoup plus d'idées, beaucoup plus d'échanges au milieu de terrain, de l'animation, de la création. Il y avait vraiment de l'envie. Et tu as ce but de Camara très tôt dans le match qui les remet dans un confort, qui les met dans un fauteuil où ils sont pas forcément obligés aussi de sortir à tout va pour aller chercher ce but-là. En deuxième mi-temps, tu as cette équipe de Strasbourg qui essaie de revenir, qui essaie de placer des actions, qui essaie de pousser un petit peu le bloc marseillais à reculer. Mais on a vu un très bon milieu de terrain encore une fois, Strootman devant la défense qui a bien orienté. Moi, je le critique beaucoup depuis qu'il est à Marseille. Tu l'as trouvé bonsoir aujourd'hui. Moi, je l'ai très fort. On va parler aujourd'hui, du milieu, effectivement. Aujourd'hui, je l'ai trouvé très fort. J'ai beaucoup aimé Rongier. Alors, parce qu'il n'a pas été peut-être beaucoup mis en difficulté, il n'y a pas eu un pressing assez haut de la part des Strasbourgeois. Je pense que ça explique beaucoup cela, parce qu'à chaque fois où on est parti le chercher, on l'a rentré dedans un petit peu, il n'a pas eu ses passes qui cassent les lignes. Aujourd'hui, j'ai vu ces ballons partir vraiment sur les côtés, des ballons de 20, 15, 20 mètres pour aller chercher de la profondeur comme ça dans la verticalité. Il a permis à son bloc et à l'équipe marseillaise de gagner beaucoup de mètres sur la première mi-temps et même en début de deuxième mi-temps. J'ai vu perdre beaucoup de ballons quand même, moi. J'ai préféré Rongier Lopez par exemple. Rongier Lopez dans la projection, dans le fait d'aller supporter les attaques marseillaises forcément sur les 20, 30
derniers mètres, ça a été beaucoup plus intéressant. Mais Strootman, je pense que dans cette capacité à relancer, à construire le jeu de par le bas pour les Marseillais, ça a été aussi intéressant. Et c'est un petit peu, voilà, ces stations-là, je pense que ça le prouve un petit peu à suffisance. Et ça a permis à Marseille de pouvoir calmer le jeu et de pouvoir dicter le tempo de ce match-là et d'être un petit peu en mode patron sur l'ensemble du match. Et je pense que c'est une victoire totalement méritée sur l'ensemble du match. Ce que j'ai bien aimé, moi, dans la victoire de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, c'est que il y a eu beaucoup de maîtrise et il y a eu encore, voilà, encore une fois l'idée directrice d'avoir beaucoup le ballon. De maîtrise. Oh, moi j'ai trouvé que beaucoup de maîtrise. Non, moi j'ai trouvé qu'il y avait de la maîtrise. Oui, du milieu de terrain, il y avait du ballon. C'est alors maîtrise sans ballon. C'est pas la maîtrise ballon. Technique. Non, mais alors maîtrise. Parce sans que moi techniquement le match ce soir c'est irregardable. Mais attends, le niveau. Après maîtriser un match, ça peut être aussi maîtriser le contexte et le scénario. Mais donc c'est là où je rejoins parenthèse, c'est là où je rejoins Alpha quand il dit petit Strasbourg. Parce que moi Marseille ce soir t'as une opposition correcte. Ouais, on les a vus face à Rennes, par exemple. Dans une présentation comme celle-là, j'allais venir. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'ai jamais dit qu'on a vu un grand match de football. Ouais. Loin de là. Maintenant, j'ai dit que avec et sans ballon, j'ai trouvé que dans les temps forts, temps faibles, Marseille n'a jamais été en très très grand danger. Et surtout que ils ont été minés par des erreurs techniques, notamment sur des contres à 2, à 3, notamment par Bounassar. Même si Bounassar fait plutôt un bon match. Ou Radonjić. Mais t'as la transversale aussi. T'as la transversale de Tchaletachar. T'as quand même 2-3 occasions où c'est mal géré dans le dernier tir, mais je trouve que au milieu de terrain, notamment Rongier et Lopez, on en parlera tout à l'heure. On va en parler dans une seconde. Ça a été très très intéressant. J'ai trouvé quand même qu'il y a des joueurs qui commencent un peu à se désinhiber. Tchaletachar qui après son match immonde contre Amiens, j'ai trouvé nettement mieux. Bon, il pouvait pas faire pire, mais j'ai trouvé nettement mieux. La même chose pour Radonjić, je trouve qu'il commence un peu à jouer avec son cerveau, même si encore une fois. Ouais, mais faut voir la taille du cerveau. Alors. Non mais bien entendu. Aujourd'hui, je dis pas que Radonjić est devenu Florent Thauvin, mais je vois qu'il y a une amélioration dans ses prises de responsabilité et déjà sur la deuxième mi-temps contre Amiens, c'était déjà un peu mieux. Il fait comme un mauvais choix en deuxième mi-temps où il fait l'enrouler alors que ça reste rangé. On peut pas passer du catastrophique à l'exceptionnel. Non. Je dis juste que moi je note qu'il y a une amélioration depuis deux matchs et que ce soir ça a encore été le cas, notamment en première mi-temps où notamment cette occasion où il donne ce petit ballon là sur un pas. Je pense que tu te contentes de peu quand même. Franchement, en toute honnêteté, moi sur ce match là, comme j'ai dit, je vois de la pauvreté technique, je vois un petit adversaire. Je vois Marseille qui du coup maîtrise sans maîtriser, mais qui va au contact, qui va au duel. Ils ont été très concentrés, ils ont fait un match très sérieux, à l'image de Benedetto qui a fait un match vraiment très sérieux et qui draine un peu ses coéquipiers. J'ai vu un Bounassar très concentré, mais encore une fois, quand il faut se projeter vers l'avant, c'est plus compliqué. Oui, mais c'est pas... les idées étaient là. Le problème, c'est que techniquement, ils sont encore amputés par un problème qualitatif. Et c'est pour ça que je veux en venir parce que le dernier joueur dont tu parles, c'est Radonjić. Mais pour moi, que ce soit Radonjić ou Valère Germain, à la différence de Radonjić, Valère Germain, quand il sort, il est essoré tellement il a fait des efforts. Tu le retrouves même à aller sauver des ballons sur sa ligne de corner, tellement il n'est pas capable d'exister autrement que par sa dépense d'énergie. Et en face, t'as Radonjić qui, je suis désolé, mais c'est du feu. C'est du vent, pardon. C'est un joueur, il prend le ballon. Sur un premier mi-temps, excuse-moi, Wally, pour moi, il prend le ballon, il te fait croire qu'il va accélérer et il accélère pas. C'est incroyable. Le problème de Radonjić sur ce match, c'est qu'il fait beaucoup de mauvais choix. Il a de l'envie, il a cette envie. Il joue contre une équipe. Mais il a fait aussi beaucoup de bons choix. Il a fait aussi beaucoup de bons choix. Très faible. Et pour moi, il fait aucune différence notable. Et pour moi, c'est dommageable parce que. Là, tu vas pouvoir rencontrer que des équipes plus fortes que Strasbourg. Et contre Strasbourg, pour moi, t'es limite. Bah déjà, tu vois ce que je veux dire. Donc là, ça va être très compliqué. Ah, le vrai nouveauté, entre guillemets, et bon point que j'ai vu ce soir, c'est comme t'as dit, Tchaletachar, que j'ai trouvé plus intéressant que dernièrement. Dans la relance, notamment. Voilà, et Valentin Rongier. Et on va en parler. On en parle justement. Voilà, Valentin Rongier, j'ai vraiment envie d'en parler parce que je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose à ce milieu de terrain. Alors, c'est bien, Axel, qu'on se projette un petit peu parce que le classico, c'est pas du tout. PSG-OM, arrêtons, le classico, c'est Barça-Real ou Super Classico Boca-River. En France, on va dire le classique, vraiment pour faire plaisir à ceux qui l'ont inventé, parce que tu sais très bien de quoi je parle, Axel, notamment sur ce match. C'est néanmoins le plus gros rendez-vous pour l'OM sur ce début de saison. C'est aussi ce qui va devoir valider un petit peu ce qu'on a vu ce soir. On a l'impression que Villas-Boas, dans sa compo, a aussi préparé le match. Aujourd'hui, quand on voit le milieu de terrain, tu l'as dit, Strootman, Lopez avec Valentin Rongier, on a vu vraiment un nouvel entrejeu côté marseillais. On rappelle, la sortie, c'est celle de Sanson, l'information. Ouais. Et effectivement, on voit, et sur le chat, ça revient beaucoup, un Rongier en patron. Un Strootman, vous l'avez dit ici déjà, qui a plutôt fait
un bon match. Et Lopez qui reste assez régulier sur. Qui est meilleur sur, dernièrement. Sur les, quoi, dernièrement, il est meilleur. De toute façon, il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a que lui qui peut jouer ce poste-là. Mais c'est vrai que quand on voit déjà ça, on a l'impression que ce soit pour le classique la semaine prochaine ou même pour le reste de la saison, que Villas-Boas a déjà trouvé son milieu et ce qui est censé alimenter son attaque. C'est ça. De toute façon, de base, il n'a pas, comme tu as dit, un énorme choix. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on voit que on a des joueurs qui sont concentrés ce soir. On a un Valentin Rongier qui a essayé de surnager un peu techniquement au milieu ce soir. On a Maxime Lopez qui le suit de près aussi, qui est vraiment intéressant sur les derniers matchs. Et on a Strootman. Même si moi j'ai vu quelques paires de balles, voilà, Alpha me dit que bon, c'était plutôt correct ce soir. On a des latéraux où ce soir, peut-être que sans Amavi, on a vu que c'était peut-être mieux aussi. Donc il est en train de trouver peu à peu une équipe. Maintenant j'ai peur parce que quand tu vois que contre Amiens, ils sont capables de prendre ce qu'ils ont pris alors que. Là, ils te sortent un match correct. Qui te dit que dans deux semaines, quand ils vont aller jouer, je sais pas dans quel endroit en France... Ils vont jouer au PSG. Non, mais là, ils vont jouer au PSG, ouais. Mais après. Parce que contre le PSG, je suis désolé, mais j'y vois pas... Enfin, oui. Ça va être compliqué, je pense que ça va être juste, voilà. Et en plus, au parc, donc ça va être vraiment très compliqué. Mais les semaines d'après, est-ce que tu penses que c'est pas comme l'année dernière et comme tout le temps, on se dit, bon, on a enfin trouvé une équipe, et en fait, deux, trois matchs après... Ils vont jouer contre Reims et ils prennent une leçon. Et tu dois changer et je dois te reposer les mêmes questions. Tu vois, c'est ça que je me demande. Je me demande s'il va avoir de la constance. Non, mais c'est sûr que tu n'as pas la stabilité. Quand tu vois Strasbourg sur 10-15 minutes qui essayait de revenir dans le match et qui essayait de placer des actions et qui t'a envoyé quelques sondes dans la surface, tu sens que forcément, si tu as une grosse intensité mise par l'adversaire, cette équipe de Marseille, ça peut rapidement voler un éclat. On a le match contre Montpellier, on a le match contre Rennes, au Vélodrome, on a le match face à Amiens aussi. C'était un des meilleurs matchs dans le contenu. Oui, dans la production. Mais quand tu vois Montpellier partir, tu sais qu'à chaque fois, ouais, après, t'as le contexte où t'as pas été tout. Mais quand tu prends des adversaires vraiment qui les ont posé des difficultés dans le jeu et dans la proposition, tu sens directement, t'as cette fébrilité directement. Même Rennes sur les retours à chaque fois de la défense marseillaise ou t'as Mbaïen qui pouvait les embarquer ou voilà, ils sont passés à chaque fois à deux doigts d'encaisser un but ou si c'est pas un retour d'un défenseur. Donc moi je pense que je suis complètement d'accord avec Axel, c'est pas une équipe qui est totalement guérie, on peut pas s'attendre à quelque chose sur la durée. Et Scoufi nous rappelle sur le chat qu'il y a Paris, mais il y a aussi le 10 novembre le Lyon. Ils nous disent presque c'est le match qu'ils attendent le plus des deux parce que ils attendent Rudy. Après, mais voilà, non, mais pour dire qu'il faudra que ce soit quand même au point. Je sais pas si Lyon c'est forcément le plus dangereux en ce moment, on espère voir pendant ce temps-là. Joue l'Olympique Lyonnais quand même. Oui, que peut-être les choses. Dans un Olympico. Lyon n'est pas forcément aussi au meilleur de sa forme. Donc, tu peux te dire que par rapport à l'adversaire. Voilà. Mais moi, je vais plus peur. Sur les internets, on n'a pas gagné souvent des voilà. Oui, mais c'est des matchs à caractère événementiel. Donc, même si t'es bon ou t'es pas bon, c'est des matchs qui ont un contexte particulier, un soir particulier. Donc, voilà, la réalité des matchs d'avant ne peut pas compenser ça. Sur la régularité, il va falloir plus voir face à des adversaires comme, comme on a vu contre Rennes, Lille, Nantes, des adversaires comme ça. Quand eux, ils vont te mettre de l'intensité, quand ils vont aller te chercher, ils vont te mettre au pressing. Strootman, je l'ai rarement vu bon comme aujourd'hui, mais c'est normal, j'ai vu aucun Strasbourgeois dans sa zone pratiquement pour aller l'harceler, le presser sur les ballons ressortis. Voilà, le petit Lopez, je l'ai vu cavaler des mètres au milieu de terrain. Regardez les positions moyennes, il est quasiment numéro 10 sur le match, Maxime Lopez. Voilà, Lopez, je l'ai plusieurs fois vu juste devant la surface strasbourgeoise à aller décaler, rallonger sur le côté, à aller essayer de servir Benedetto à combiner. Je les ai vus vraiment porter vers l'avant, mais ça s'explique un petit peu, comme Axel l'a dit, par la faiblesse des Strasbourgeois qu'on a vu aujourd'hui. S'il y a une véritable adversité sur la continuité, sur la durée, moi je ne sais pas cette équipe marseillaise ce qu'elle vaut vraiment. Est-ce que cette compo on peut la revoir Walid dimanche prochain au parc? On rappelle que Bounassar était en latéral droit, que Sakai était à gauche, Payet, c'est son dernier match de suspension. Oui, tu auras le retour de Payet et le retour d'Alvaro González. Donc, Alvaro González, je suis pas sûr. On va voir s'il y a. Moi, je pense qu'il prend la place de Tchaltachar la semaine prochaine. Ça peut être une possibilité. Après, donc, je pense que Payet reprendra la place de Radonjić. On reverra. Moi, je pense qu'on reverra la même équipe que face à Monaco à l'extérieur. Donc, en fait, on reverra la même équipe que ce soir, mais avec Sanson. Non, avec Sanson et Payet, moi, je pense. Avec Sanson. Ouais. Sanson à la place de Lopez. À la place de Lopez ou de Rongier, mais je pense pas qu'à l'extérieur ils se déplacent. Non, mais ça serait dur. Encore une fois, je suis pas dans Comme récemment, plus Lopez. De Villas-Boas, mais je pense qu'il y en a un des deux qui va sauter. Ce soir, ça a déjà été un bon révélateur et un bon signe de la part de Villas-Boas. Moi, je n'étais pas sûr et certain qu'il mette à la maison. J'étais pour, mais je pensais qu'il allait quand même garder son équilibre avec Sanson qui court beaucoup, même si je ne suis pas un très très grand fan de ce qu'il fait depuis le début de saison. Ce soir, il met ce milieu de terrain qui est plutôt intéressant. Maintenant, pour aller au Parc des Princes, je pense qu'il va revenir
revenir à, un peu à ce qu'il a fait contre Monaco, c'est le 4-3, le 4-2, 4-3, 4-3, ouais, 4-3, 4-3. Où je pense que c'était, voilà, c'est son équipe type du début de saison, avec Germain à gauche parce que Thauvin n'est pas là. 4-3, mais c'est une équipe qui a pris le brouillon sur 20 minutes. Oui, bien sûr, ils ont pris... Bien sûr, mais là, ça ne sera pas sur 20 minutes. Bien sûr, mais c'était, je pense qu'on se rapproche de cette équipe type-là. Après, Amavi n'était pas là, enfin, il était là contre Monaco. Il était là contre Monaco. Donc, à voir ce qu'il va mettre en place. Peut-être une. Peut-être toi, tu vois un 3-3. Je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune info, j'ai rien. Mais je me dis, la mode en ce moment, et on l'a vu peut-être un peu Manchester-Liverpool, et puis tu le vois même dans d'autres matchs, quand l'équipe en face, tu sais qu'il y a quelque chose, il y a du lourd en face, tu mets 3. Et là, il va avoir le retour d'Alvaro. Il a Tchaltachar qui fait un bon match, Camara qui est en forme, visiblement il a Saka. Ça travaille après une défense à 3. Donc Tchaltachar, parce qu'il fait un bon match sur les 5-6 derniers, le mec il a le droit d'être. Je sais pas. J'ai pas dit que c'est ce qui allait passer. Je suis en train de dire. Je vois pas pourquoi on le met. Parce que si tu veux charger défensivement, tu vois, tu mets Germain Benedetto dans deux attaquants, t'as 3 milieux de terrain, donc tu gardes ton 3 milieux de terrain, t'as 3 défenseurs et t'as des latéraux. Ou alors t'en as pas forcément les paillettes. Limite ça te fait un 5-3-2 avec Benedetto et Germain devant, parce qu'on a bien compris que de toute façon l'attaque marseillaise c'est quoi? C'est Benedetto qui, sur une action, il arrive à faire quelque chose. Donc, si tu mets dans les conditions et que tu renforces défensivement, quand tu vas au parc, je me dis pourquoi pas. Maintenant, je suis pas dans sa tête. Hein. Ça, c'est de la prévision. Tu penses qu'il va le faire ou tu penses que c'est la solution pour faire un résultat? Alors, moi, de mon côté, je pense que c'est une solution intelligente. Et en plus, je me vois bien le faire. D'accord. Voilà. Je le vois bien tenter un truc. Parce que moi, encore une fois, perdu. En termes de système, moi, je me mettais dans sa tête, hein, bien entendu. Et en termes d'hommes sur le terrain, maintenant, je pense qu'avec n'importe quel système, tu prends une rousse au Parc des Princes. Oui, parce qu'encore une fois, on se rappelle, on le dit à chaque fois, la qualité de l'OM cette saison, il va falloir que Villas-Boas fasse du bricolage et ça va être un match bonus. Et encore une fois, avec bon, Neymar ne sera pas là, mais avec l'étendard de. Si Payet revient et si Gonzalez revient derrière, tu fais pas que du bricolage. Moi, je pense qu'avec le 11 type de l'OM cette saison, t'as des années-lumière du PSG. Mais c'est là justement qu'on attend Villas-Boas. Enfin, je dis pas forcément qu'il doit taper le PSG, mais faut pas qu'il parte. Il propose quelque chose. Ah non, bien entendu. Comme une victime en se disant, c'est pas, on parle pas non plus d'Angers ou de. PSG. Non mais sincèrement, non mais oui, je peux être d'accord que ça dépend du PSG, mais faut pas non plus que ça qu'on parle de Marseille comme si on parlait d'Angers, même si ces dernières années ou ces derniers matchs, Marseille c'est pas non plus. Moi je l'écoute. La dernière fois que Marseille a réussi à faire un résultat au parc, c'est en y allant en petit bras à 5 défenseurs avec Rudy Garcia. Rudy Garcia, c'est magique. Mais voilà, quand tu retrouves ton meilleur élément offensif, même si pour moi avec Thauvin ça se discute un petit peu sur le rendement qu'ils ont, et quand tu retrouves également ton défenseur en début de saison qui était ton rock. Et dans quelle forme tu les récupères les deux aussi à la fin? Oui, c'est sûr, mais après ils ont joué depuis un mois les mecs. Ils ont pas joué depuis un mois, mais ils ont quand même cette condition physique où ils ont débuté le championnat, ils ont joué, ils ont fait cette préparation. C'est pas des mecs que tu récupères qui n'ont plus joué depuis le début de saison. T'as une blessure pour Alvaro. Oui, mais lui Mbappé dans les pattes sur 90 minutes. Mbappé aussi a une blessure. Oui, Mbappé aussi revient de blessure. Donc tu vois, Mbappé revient de blessure. Tu peux mettre Camara là-dessus. Tu peux travailler quelque chose. Moi c'est là où je suis pas complètement d'accord en se disant oui ils vont forcément se faire taper. Ok. Qu'il se fasse taper, mais que lui aussi, de son côté, il arrive en récupérant ses éléments à proposer quelque chose, à avoir une idée, comme le dit Axel tout à l'heure sur un changement tactique. Ça, on est d'accord. L'Olympique de Marseille qui s'impose donc ce soir 2-0 à la maison face à Strasbourg. On va voir tout de suite les résultats et le classement de la journée. Les résultats avec, vous l'avez vu aujourd'hui, donc Monaco qui a battu Rennes également en début de journée. Saint-Etienne qui s'est imposé à Bordeaux grâce au grand Denis Bouanga, bien sûr, qui a marqué sur penalty. Voilà les trois résultats bon de la Bordeaux, journée. Hein. Quoi ? Très bon Bordeaux. Très bon Bordeaux, oui, très bon Bordeaux, comme quoi parfois on peut être aussi honorable dans la défaite. Le classement, justement, vous voyez, c'est très serré entre le Paris. Ça y est, le Paris Saint-Germain. Non, mais ça y est, le PSG s'envole. C'est la première information de cette 10e journée. C'était pas le cas. On attendait. On a attendu 10 journées, quand même, cette année. Et pour le reste, après, vous voyez, entre Nantes, qui est deuxième avec 19 points, et on va aller jusqu'à Lyon. C'est une catastrophe, quand même. On va aller jusqu'à Lyon, qui est 17e, ou même Nîmes, qui est 18e. Il y a 9 points d'écart. Ah, parce qu'attention, Sam, c'est-à-dire que le PSG là, c'est quoi remettez le classement. Non mais dis-toi que c'est Lyon qui va peut-être finir deuxième. Non mais sur le ouais. Pourquoi non, peut-être non, 17e. Pourquoi peut-être En débutant le championnat, tu dis que le challenger c'est Lyon. Ils sont à 10 points, le PSG sont à 24 points, c'est 14 points déjà. Au-delà de ça, le PSG, le premier candidat sérieux à la deuxième place, c'est Marseille. Oui, c'est ça. Ils sont à 16 points. Ils les rencontrent la semaine prochaine.
s'ils gagnent contre Marseille, ce qui ils est les probable, à 11 points. Ils les mettent déjà à 11 points après 11 journées. Alors que le PSG fait pas le début de saison, ils perdent deux fois. Et tes deux équipes en Ligue des Champions, elles n'arrivent pas à gérer du tout. Il y en a une, elle est 17e du championnat, l'autre, elle est 7e. Et à l'extérieur, elle est catastrophique. Elle, disons, ça s'attendait pas non plus. Ce qui d'ailleurs m'embête, parce que Bordeaux les joue chez eux la semaine prochaine. Et là, oui. Pour le coup, c'est différent. Il n'y a aucune constance. C'est horrible. On en parlera effectivement mercredi des Lillois, parce que ce n'est pas la joie non plus côté des Hauts-de-France, de nos amis du Schnorr, comme on dit. Le voilà donc pour le classement, les résultats. On les a vus pour cette 10e journée de Ligue 1, retour de la Ligue 1 dès vendredi, avec un beau Nantes-Monaco, affiche classique du championnat qu'on décryptera dans le Club des 5. On va partir en Première Ligue, le championnat qui tient, lui, toutes ses promesses cette saison. La saison dernière, toutes les années, finalement, on n'est jamais déçu avec la Première Ligue. On avait le derby d'Angleterre, justement, cet après-midi à Old Trafford. Match nul entre les deux équipes, un but partout. On a eu l'ouverture du score des Mancuniens juste avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps, on est à quoi ? On est à la 35e minute à peu près sur le but de... Voilà, bah exactement, 36e sur le but de Rashford. On a également l'Alana égalise plutôt en fin de match à la 85e minute pour Liverpool. Ça permet aux deux équipes de se séparer sur un match nul dans ce derby. C'est vrai que quand on prend la physionomie du match, même si les stats sont quand même entre guillemets en faveur des Reds, on a le sentiment, les amis, que Manchester peut avoir des regrets, Alpha, sur ce match. Non, mais carrément, Manchester peut avoir des regrets parce qu'ils avaient jusque-là réussi parfaitement. Même doit avoir des regrets. Ils avaient jusque-là. Après, je sais pas si sur la fin de match, je sais pas s'ils peuvent avoir des regrets, tu vois. Mais sur l'ensemble du match, c'est sûr qu'avec les opportunités parce qu'ils ont eues. Avoir les 5 dernières minutes dans la 85e, quoi. Totalement. Je suis complètement d'accord avec notamment cette opportunité de Rashford derrière qui aurait pu marquer. Et ils avaient parfaitement mis en place un plan qui était clair d'entrée, c'est-à-dire qu'on veut pas le ballon comme il avait fait face à Chelsea ou face à Leicester également, en ne jouant pas du tout, en essayant de déjouer totalement, en misant sur les points forts, c'est-à-dire que moi, encore une fois, c'est la première fois que j'arrive à comprendre ce que veut faire Ole Gunnar Solskjaer. C'est-à-dire qu'il n'a pas essayé de faire quelque chose dont il ne maîtrise pas, quelque chose dont il n'a pas les moyens avec l'effectif qu'il a. Il a tout simplement fait tirer le maximum du potentiel de son effectif. Donc, en restant en bloc bas, en essayant d'aller chercher Liverpool dans la première moitié de terrain des Reds, même si les Reds n'ont pas été également les plus beaux à voir aujourd'hui, ça sentait un petit peu la fatigue, la coupure internationale et tout ce qu'on veut avec l'absence de Salah également. Donc voilà, première mi-temps, je dirais pas maîtrisé parce que c'était totalement euphorique, mais tu as vu une bonne équipe de Manchester United avec au milieu de terrain McTominay qui est parti gratter beaucoup de ballons, qui a empêché, d'ailleurs c'est lui qui, non c'est pas lui qui récupère le ballon, mais c'est quand même lui qui a la passe pour aller donner le ballon sur le côté droit. Voilà, c'est lui qui récupère, qui écarte sur le côté avant le centre. Donc voilà, tu as cette complémentarité, Fred, McTominay surtout, qui moi me plaît de plus en plus, ce petit au milieu de terrain de Manchester United. Et devant, tu as eu un Rashford qui a été intéressant aujourd'hui, qui n'a pas été très égoïste, tête dans le guidon, qui a joué avec ses partenaires, qui a essayé d'écarter le jeu. Et t'as comme ça cette équipe de United qui a gardé cet avantage. Et derrière, Liverpool arrive quand même à se relancer, à revenir dans le match avec une belle entrée de Lallana, une belle entrée de Naby Keita vers la fin. On les a sentis beaucoup plus de mouvement dans la moitié de terrain d'Oxlade-Chamberlain, mais plus Lallana et Naby, moi je les ai trouvés beaucoup plus intéressants que l'entrée d'Oxlade. Il y a eu beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de mouvement de la part du bloc de Liverpool dans la moitié de terrain de Manchester, et on sentait cette fébrilité quand même. C'est un petit peu, on parlait de Marseille tout à l'heure, Manchester c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que c'est un malade qui est en train de guérir. Voilà, il a besoin de ses produits. Dès que tu lui en un petit peu, dès que tu lui mets la pression, on sent que ça peut craquer. Malheureusement, ça n'a pas craqué. Il y a M92 qui nous dit que c'était un match de M-Bip pour lui et qu'il n'a vraiment pas apprécié ce derby d'Angleterre. Il y a Samuel qui nous dit sur le chat, Samuel Brival, qui nous dit que c'est dommage pour Manchester United ce résultat. C'est vrai qu'en plus, Walid, on peut le dire, ce qui nourrit aussi les regrets, c'est que finalement, collectivement et dans l'approche de la rencontre, tactiquement, on a vu un des meilleurs matchs de Ole Gunnar Solskjaer depuis... Depuis le 8ème de finale aller, on est d'accord, depuis février. Non, mais non, moi je trouve qu'il y avait lequel 8ème de finale aller. Ligue des Champions. Enfin, il avait perdu 2-0. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, comme on a dit, que c'était la coupure à ce moment-là entre les débuts magnifiques de GS et la suite. Voilà, notamment Tottenham où ils avaient aussi joué en bloc. Exactement, Tottenham, Walid l'a dit, Arsenal aussi, il y a eu des beaux matchs. Mais avec un homme à la baguette notamment. Ça n'a pas été un très très grand football, mais ils ont fait quelque chose de rudimentaire. Et puis après, quand tu vois la composition, moi j'ai pas envie d'en vouloir à
Solskjaer, c'est il a vraiment posé des problèmes à Klopp. C'est plus Liverpool qui m'a plutôt déçu pendant 80 minutes, même si Alpha l'a dit, le momentum de la rencontre a un peu changé avec les rentrées des trois remplaçants, et à un moment donné, à un partout, tu te dis bon, Liverpool, ils vont les gagner ce match-là, les mecs ils sont comme ça, ils sont tremblantants. Mais avant ça, clairement, ils ont posé des gros soucis. Je trouve que l'ouverture du score a été quand même plutôt méritée, parce que tu parlais de bloc bas, mais il y a eu quand même aussi des temps forts, notamment en début de rencontre où ils ont essayé d'aller les chercher un peu haut. On a vu notamment James, que j'ai bien aimé, Pereira qui fait pour moi son meilleur match avec Manchester United. Donc voilà, il y a des satisfactions. Maintenant, on part de très très loin avec United, et moi j'ai même plus la même exigence par rapport à la qualité intrinsèque des joueurs. Quand tu vois la composition d'équipe, tu pleures au début du match. Sincèrement, moi ça fait très très longtemps que j'ai pas vu ça. Maintenant voilà, le gros problème, c'est que t'as pas cette victoire qui aurait pu vraiment faire du bien, parce qu'au classement fait du bien. Ça aurait été l'arbre qui montait la forêt qu'on face à Chelsea. Non, mais comptablement, bien sûr. C'est-à-dire que ce soir, le 1 partout, il te met quand même dedans comptablement par rapport à la suite du championnat. Même si j'ai pas de grands espoirs par rapport à United cette saison, mais le match nul. Voilà, il les met pas dans les meilleures conditions, et je pense que cet exploit-là, parce que c'est triste à dire, mais gagner face à Liverpool qui était sur cette victoire, ça aurait été un exploit. Et regardez Manchester, ses stats, hein, 8 points, c'est 8 points de perdus, alors que Manchester menait au score cette saison. Regardez, c'est l'équipe voilà, qui tout simplement a perdu le plus de points après avoir mené au score en première ligue cette saison. Ça montre aussi la fébrilité de Ole Gunnar Solskjaer. C'est vrai qu'Axel, pour le coup, c'est ce qu'on n'a pas vu ce soir. On a vu beaucoup plus de solidité. Finalement, il y a deux buts de Liverpool, un refusé, invalable, même celui refusé, voilà, on sent que Manchester ne se met pas en danger, que Mané fait vraiment faute, il y a main. Même celui de Manchester, il n'y a pas but. C'est plutôt... À quel moment De Gea a été mis à contribution? Tu as Firmino en première mi-temps. Tu as quelques situations, des frappes concrètes. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est très bien et c'est inespéré. C'est une compo à revoir, quand je dis qu'on pourrait revoir. Parce que quand tu la vois, t'as envie de dire oui, mais dans un autre contexte où Manchester doit faire le jeu, tu sais pas ce que ça donne. Oui, si tu remplaces Fred par Pogba, aujourd'hui Manchester, à chaque fois qu'ils ont essayé de faire le jeu, c'était pas possible. À chaque fois, ils n'y arrivent pas, il y a un manque de créativité, ils n'y arrivent pas. Donc t'as envie de jouer comme ça. Le problème, c'est que maintenant toutes les équipes en Angleterre savent que pour jouer Manchester, t'attends. C'est intéressant parce que ce soir, on avait une vraie défense à 3 sur le papier. Regardez dans les positions moyennes, on voit que finalement, on bascule à certains moments. J'ai l'impression qu'il manque un joueur dans les positions moyennes. On dirait un 4-4-2. Oui, il manque un joueur, non, là, les amis, si je dis pas de bêtises. Ils manquent qui? Ils sont 10. Donc c'est peut-être pour ça que la défense à 3 on voit pas. C'est parce qu'il doit manquer un défenseur, à mon avis. On va couper ça au montage. Mais c'est pour ça même que. Même s'il n'y a pas de montage. Vraiment, pour ce qu'a fait Solskjaer ce soir, c'est impressionnant. Et puis il y a aussi, je pense, ce derby d'Angleterre, il y a un certain engouement. Ils sont tellement pas attendus que derrière, eux-mêmes ont envie de se surpasser, et tu l'as vu, ce soir, il y a certains des joueurs de Manchester qui ont réalisé leur meilleur choix. Oui, surtout le premier mi-temps. Ouais. Andrius Pereira, j'ai jamais joué comme ça. Fred, je l'ai jamais vu jouer comme ça. James, je l'ai jamais vu jouer comme ça. Au Shakhtar, ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est parce que tu me disais tout à l'heure, depuis Ole Gunnar Solskjaer, pour moi, là, c'est le moment où tu joues la meilleure équipe que tu peux affronter. Ils sont fait un début de saison dantesque, Liverpool. Tu les joues chez toi, et tu fais une performance vraiment très correcte. Tu as vu des joueurs que tu n'as pas vu à ce niveau-là depuis bien longtemps. Mais t'as pas réussi à 0-0, t'as pas réussi à jouer comme ça. Ils ont pas gagné. Pas comme ça. Non mais le Manchester sur la première mi-temps en tout cas n'a pas à rougir sur le contrôle du match. Au final, là-dedans, tu peux vraiment être fier de tes joueurs. Tu sais que t'es capable vraiment de. On l'a le 11e joueur, vous le voyez. Andreas Pereira. Match. C'était bien ça, la défense à 3, que nenni, mes amis. On est plutôt sur une équipe qui s'est organisée avec une défense à 2. Après Rojo, c'est beaucoup. Mais donc tu peux voir, tu peux être content. Rashford ce soir, il fait un match hyper intéressant. Rashford, alors j'aimerais qu'on y vienne, but, il conserve le ballon, mais magnifiquement, il met le but. Au final, il fait le match qu'on attend de lui. Et derrière, on voit que c'est tout Manchester qui tient. On voit que Liverpool, au début, se dit bon, ok, là, on fait jeu égal, entre guillemets, mais ils vont pas tenir sur la durée. Et au final, Manchester tient plutôt longtemps avec cette intensité-là. Et on a un Liverpool, en plus, comme l'a dit Alpha, tu sors de trêve internationale,
Donc t'as pas forcément le rythme. Il te manque Mohamed Salah. Origi, il a pas fait une. Et Firmino aussi, à l'image de Firmino, je l'ai pas trouvé Firmino, bon aujourd'hui. Firmino n'a pas été bon. Aujourd'hui, le vrai joueur, le très bon joueur de Liverpool aujourd'hui, c'est Wijnaldum. Malheureusement, il est pas assez haut peut-être sur le terrain pour faire les différences. Il a pas attendu temps. Et voilà. Et puis derrière, même un Fabinho, il a pas été. Moi, j'adore. Ouais. On va en parler. On va en parler effectivement dans quelques instants. Ne t'inquiète pas, Axel, on y vient sur Liverpool. J'aimerais qu'on parle de Rashford pour terminer Manchester. C'est vrai que c'est intéressant parce que même sur le chat, il y a M92 qui nous dit Rashford qui ressort vraiment du match. Hein, voilà, il a été un niveau au-dessus de ses partenaires. Même cette fois-ci, Alpha, on peut parler d'un joueur trop esselé pour une fois, alors que depuis le début de la saison, on a envie de parler d'un joueur qui, justement, n'est pas esselé, mais qui n'est pas performant. Là, c'est l'inverse ce soir. Et c'est aussi intéressant pour lui parce que, rappelons-nous, depuis ce pénalty raté contre Crystal, il est sur une dynamique très moyenne, très irrégulière, comme souvent. Là, on a le sentiment que se libérer un petit peu dans ce genre de match, ça peut être utile pour la suite. Après, moi, c'est un joueur qui me fait souvent réfléchir parce que si tu prends ses statistiques, c'est un joueur qui marque quand même de temps en temps et qui est pas mal dans le fait de stater, d'être présent lorsqu'on a besoin de lui, d'inscrire son nom sur le tableau des buts. Mais dans le jeu et dans le fait de faire jouer ses coéquipiers collectivement, de participer, je le trouvais toujours un petit peu léger, c'est-à-dire un petit peu soit trop égoïste, soit le mauvais choix, il voulait trop forcer. Je me rappelle de ce match face au PSG, même si c'est lui qui met le pénalty qui élimine Paris. Mais dans l'ensemble du match, il fait un match horrible. Il tente des frappes à 30 mètres, 25 mètres. Il veut toujours faire la différence tout seul, solo. Alors qu'il a le temps, il est tout jeune, il peut apprendre, il peut aller sur la jouer collectif. Il a la capacité d'éliminer un contre-un. Il a la vitesse, il a beaucoup de qualités pour lui, Rashford. Mais il le gâche tout dans les derniers choix qu'il fait, dans le dernier geste qu'il essaie de faire, même s'il marque quelques buts. Mais aujourd'hui, je l'ai trouvé très intéressant. C'est ça qui a été justement bénéfique pour Manchester United parce que dans le collectif et dans le fait de faire jouer ce milieu de terrain et cette défense de Liverpool, je l'ai trouvé très très bas sur le terrain, c'est-à-dire qu'il venait chercher beaucoup de ballons et essayer de jouer en une touche en combinaison directe avec Fred ou essayer directement de jouer avec James ou Pereira. Je les ai trouvés les trois très complémentaires dans les 20-30 derniers mètres de cette équipe de Liverpool, et ce qui fait que voilà, le plan il était parfaitement bien rodé. Dès qu'il récupérait le ballon, il lançait directement sur Rashford, qui lui, on l'a vu, cette occasion qui passe en deuxième mi-temps, ça aurait pu être le momentum, le tournant du match, si là où il fait la petite feinte et il met une frappe qui passe juste à côté du but d'Alisson. Voilà, il a tout fait parfaitement aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsqu'il avait la possibilité, il n'avait plus le choix autour de lui de faire un choix soliste, un choix individuel, il l'a parfaitement bien fait. Couper ce ballon, il l'a très bien fait dans sa présence dans la surface de réparation. Cette duel avec Van Dijk ou cette duel avec Matip, il les a souvent gagnés, et au milieu de terrain, il a bien participé à conserver ce ballon et à écarter le jeu de Manchester United. Aujourd'hui, c'est un 10 sur 10 que moi je lui mets, et je suis pourtant très critique avec Rashford. Dans son choix, dans l'intelligence de jeu, aujourd'hui Rashford, le match qu'il fait c'est très fort, parce qu'il n'a jamais fait de match comme ça à référence contre une grosse équipe avec des joueurs comme Van Dijk et Matip en face. Il a très bien su se dépêtrer du marquage, que ce soit pour aller chercher les ballons, les conserver haut sur le terrain, ou même pour redescendre et apporter un peu son soutien au milieu. Il a vraiment été très intéressant, et en plus il a un but pour lui, et c'est important parce que du coup il a rempli toutes les cases. Sur le but, le ballon de James, ouais, il est incroyable. Et il te le met entre Van Dijk et Matip. Pour moi, le but, c'est James qui le fait. Ouais, et puis Danny James, c'est l'homme du début de saison. Ah oui, non, mais oui. Il doit pas être là, mais il est là. Il doit pas être là, mais il est là. Il est là et il fait du bien. Les socios qui sont sur le chat, assez contents de Rashford. Mais voilà, Suez qui nous dit que le problème de Rashford, c'est que c'est. Est-ce que c'est. Non, c'est Mario Madrid, pardon, qui nous dit qu'il fait un bon match, mais c'est souvent un bon match sur 10. Voilà, il y a Suez qui critique aussi son rendement sur une saison. Enfin, c'est vrai que. On a le sentiment que certains joueurs avaient du mal à performer depuis le début de saison, et que ça peut ressembler gentiment à un petit match déclic, ou en tout cas un match qui peut lancer une petite dynamique. Le déclic, après, ça peut être un très grand déclic comme un. J'y crois moins. Voilà, déclic à United. Ouais, moi, j'y crois pas du tout. Bon, déclic avec l'effectif qu'il y a, avec les individualités. On leur souhaite quand même. T'as un déclic sur un match, parce que sur un match, tu te sublimes, t'es contre Liverpool, ça y est, l'équipe en face. Mais ça. Dans les autres matchs, tu vas être obligé de faire le. Malheureusement, tu vas être obligé de faire le match, d'avoir le ballon. Enfin, moi, je suis Ole Gunnar Solskjaer, je joue même face à n'importe quelle équipe de Premier League. Je veux pas le ballon.
Parce que si t'as le ballon, tu fais rien avec le ballon. Le problème, c'est que l'équipe, elle le sait en face, donc elle te le laisse. Non, mais quelques personnes m'ont répondu ça sur les réseaux sociaux. Moi, je dis que non, parce que l'idée de la première ligue, c'est malheureusement, tu joues pas face à des équipes comme Angers ou comme Montpellier qui ne veulent pas le ballon, donc vous allez vous regarder un chien de face. Non, l'idée en première ligue, les équipes veulent attaquer, veulent jouer. Donc si tu. Manchester, oui, c'est quand même une équipe qui est censée. Bon, voilà, si toi, tu veux leur laisser le jeu, ils essaient de le faire. Non, moi, je pense que Manchester. Ça reste derrière. Je pense que Solskjaer et Manchester pensent sincèrement qu'ils peuvent faire le jeu. Alors qu'ils après, ne peuvent pas, ils n'ont pas cette capacité. Physionomie ou pas physionomie, si cette équipe de Manchester ne peut pas faire le jeu. Si tu prends un but très très tôt comme à West Ham, t'es obligé de l'avoir le ballon, c'est ça le problème. T'es obligé d'aller marquer. Bien sûr, c'est mais je pense qu'ils n'espèrent pas pour United qu'ils vont encaisser un but chaque 5 minutes. Non, bien sûr, mais souvent, si tu regardes bien sur le premier quart d'heure, ils prennent beaucoup de buts à l'extérieur notamment, et ça change complètement la physionomie. Oui, surtout à l'extérieur. Je veux dire, même à domicile. Mais il faut rappeler que j'ai fait les deux matchs, moi, Manchester United Arsenal et Manchester United Liverpool, globalement, quand même, on parle souvent de la première ligue. C'est pas décevant. Ouais, non, c'est pas décevant, etc. Mais ils s'en sortent bien et le niveau du match est vraiment moyen. Et le niveau du match est vraiment, vraiment moyen. Effectivement, pour le coup, on n'a pas été totalement gâtés. Allez, on va parler de Liverpool, les amis, juste avant les sociaux. Je vous rappelle, bien sûr, très important. J'ai l'impression de vous le faire tous les soirs, ce geste. Les petits pouces bleus, les amis, bien sûr. On n'hésite pas à les liker. Ça donne de la force, bien sûr, au projet Club des 5. Rejoignez également la chaîne de l'émission. Et oui, abonnez-vous. C'est pas encore trop tard pour rejoindre le wagon. Rejoignez-nous. On a dit objectif 50 000. Hein, donc, allez-y, les socios, allez-y, likez, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne et puis abonnez-vous à tous les réseaux sociaux, bien sûr, pour suivre le Club B5 durant toute la journée, 7 sur 7, 24 sur 24. Comme ça, vous êtes avec nous tout le temps, partout. Et c'est bien comme ça. Parlons de Liverpool, les amis, pour terminer l'émission, la fin de série hein, pour les Reds, hein, qui était sur une série assez incroyable de 17 victoires consécutives en Première Ligue. Ils pouvaient d'ailleurs rejoindre Manchester City, qui est leur principal rival pour le titre, s'il y avait victoire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour Liverpool. Et puis surtout, voilà, on voit là d'ailleurs la série, hein, les plus longues séries de victoires consécutives. C'est vrai que pour Liverpool, t'as les boules quand même. Une victoire, t'es pris en sandwich par City et c'est... Ces deux périodes, les deux sous Guardiola d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Exactement, voilà. Donc, bon, Klopp et Guardiola sont quand même, ils l'ont montré l'an dernier, sur le toit de la Première Ligue avec ses supplémentaires. Ils aiment bien aller chercher. Ouais, ils aiment bien aller chercher pour le coup. Mais bon, on voit quand même que c'est Guardiola qui, d'une courte tête certes, mais gagne toujours à la fin. En Première Ligue. Ça a peut-être changé cette année. Enfin, ça a peut-être changé cette année, effectivement. En tout cas, c'est vrai qu'ils s'en sortent bien, Walid, ce soir, les Reds, quand même, parce que cette égalisation, elle arrive à un moment où on se dit que Liverpool ne va pas pouvoir revenir, il n'y a pas les ingrédients pour. C'est clairement un hommage de la part de Liverpool, du début à la fin, individuellement, collectivement. Tu parlais de Fabinho tout à l'heure, mais je pense qu'on peut mettre beaucoup, beaucoup de joueurs aujourd'hui qui n'ont pas été à leur niveau ou au niveau d'un match comme celui voilà, de ce standing-là. On peut parler de Firmino, on parle d'Origi, on parle de Mané. Anderson n'a pas été bon du tout. Les deux latéraux, même si Robertson met un très très bon ballon pour Lallana, ça a été très très insuffisant. Et tu te dis, voilà, c'est Lallana qui n'existait plus dans la rotation, qui sort et qui te met ce but, hein, un peu comme Sturridge l'année dernière. Supporter d'Everton à la base. Stéphane Guy rappelait l'anecdote pendant le match. Un peu comme Sturridge l'année dernière contre Chelsea où à la 89e il met 36 matchs qu'il n'avait pas marqué. Ça exactement. Mais il a eu quand même une importance. Hein. Non, mais l'histoire de Lallana à Liverpool depuis ses 6 premiers beaucoup mois où il avait été. Non, c'est pas ses 6 premiers mois, mais il avait eu 6 mois quand même très très intéressant où il avait mis 7 passes décisives et depuis il a jamais retrouvé son niveau. Il a un but au Matmut Atlantique en Coupe d'Europe il y a 4 ans. Avec Liverpool? Ouais, contre Bordeaux. Ouais. Ça m'avait échappé. Mais Jussier a marqué l'autre but. Donc c'était un duel de mecs qui marquent tous les 36 matchs. Donc ça. Donc ça remonte, mais voilà, je pense que dans le synopsis de la rencontre de Klopp. Que Klopp a fait avant le début du match, il se disait pas que ça allait être Lallana qui allait arracher un match nul à la fin du match et plus globalement, au-delà du match, moi je trouve que Liverpool fait un début de saison extraordinaire comptablement en Première Ligue. Mais dans le jeu et dans le contenu, depuis le match contre le Napoli en Ligue des Champions, alors déjà en Ligue des Champions, il faudra reparler de leur match parce qu'ils perdent 2-0 contre le Napoli, mais même contre Salzbourg, ils gagnent 3-0, ils font 3-3, ça fait 4-3 à la fin sur un but de Salah, mais c'était déjà en deuxième mi-temps très très poussif défensivement. Catastrophique, exactement. Et je pèse mes mots là-dessus, et tu as raison. Et depuis ce match contre le Napoli, tu as une victoire à Sheffield où le gardien
gardien de Sheffield fait une bévue énorme sur le but de Wijnaldum qui donne le match, et ça avait été déjà très très compliqué. Contre Leicester, c'est un pénalty arraché par Mané à la 94e minute. Tu as même le match contre Newcastle où tu gagnes 3-1 à la rentrée de Firmino, mais tu prends un premier but de Willems très très tôt dans le match. Donc clairement, tu te dis, ok, c'est peut-être un long match et un accident, mais dans le contenu, c'est un peu. Et surtout, ce qui inquiète ce soir, c'est qu'ils sont dans les clous. Exactement. Je pense que Klopp aurait signé probablement. Et parce que tous les matchs que tu as cités, c'est des matchs où Liverpool a été efficace. Là, c'est vrai que ce soir, on va revenir sur l'absence de Salah, Axel, certes, dans quelques secondes. Elle n'explique pas tout, l'absence. Exactement. Elle explique pas la stérilité ambiante qu'il y a eu dans cette équipe. Même Firmino, même Mané, même Origi, qui était censé remplacer. Et ceux derrière aussi. C'est que d'habitude, tu as dans ce genre de match ou de grands matchs, de grandes affiches, tout le temps, Roberto Firmino, en général, il répond tout le temps présent. Et là, ce soir, sa première mi-temps, elle est vraiment, vraiment pas au niveau. On voit les positions moyennes, vous voyez, c'est quand même sur les côtés, c'est le vide sidéral. Non, mais il perd beaucoup de ballons, c'était très stérile, c'était vraiment une possession très stérile où il y avait très peu d'intervalles. Après, il faut pas oublier qu'en deuxième mi-temps, il rentre dans l'axe, ce qui fait que la position moyenne. Après, sinon, exactement, bien sûr. Après, t'as pas de. Il y a un truc aussi, c'est que oui, forcément, bon, l'absence de Salah d'une part, et d'autre part, t'as le match de Manchester, la trêve internationale. Ils peuvent pas être. Quand tu fais autant de matchs, autant de victoires depuis le début. Axel, c'était déjà quand même. Non, je suis surtout en train de parler du fait que tu ne peux pas trouver l'éclat tout le temps. Oui, une équipe, tu es en première ligue, tu joues en championnat, tu as fait 7, là, ils sont à 7 ou 8 victoires consécutives, il y a un moment, tu accroches. C'est normal aussi de te faire accrocher. Mais c'est pas forcément l'éclat, Axel, c'est surtout la vision globale. Sur le côté, la vision globale. C'est-à-dire que les éclats, tu les auras toujours avec la qualité des joueurs qu'ils ont, notamment devant. Mais face à ce United. Oui, parce que M92 nous dit s'il n'y a pas d'exploit d'un des trois devant, qui peut faire la différence? Voilà, mais rappelons-nous qu'ils ont gagné 4-0 contre le Barça en n'ayant qu'un seul des trois. Mais face à ce United-là, je le répète, avec une compo qui est quand même à des années-lumière du prime de Manchester United, tu peux pas t'en remettre en te disant oui, on va essayer de faire un éclat. Moi, je pense que normalement, tu dois marcher sur United. Non, mais tu l'as pas fait ce soir. Moi, je pense que le match, il tombe dans une. Surtout qu'on parle d'un derby, il y a un gros contexte. Hein, oui, c'est vraiment, il y a une vraie rivalité. Hein, ils ont essayé pendant 15-20 minutes. Il y a tout ce qu'il y a derrière. Je pense que le match aurait duré un peu plus. Ils auraient gagné. Il y a forcément cette période. Alors, tous les matchs que tu as cités, que ce soit à Newcastle, que ce soit Sheffield, etc. Ils ont 20-25 minutes comme ça dans le match où ils arrivent à se remettre un petit peu dans le sens de la marche, où ils arrivent à faire ce mini tourbillon qu'ils avaient l'habitude de faire sur une mi-temps. Moi, je pensais d'ailleurs qu'aujourd'hui, en deuxième mi-temps, ils allaient commencer vraiment à dérouler comme ça. Mais on n'a pas senti d'idée, de génie, de mouvement. Moi, je l'ai senti sur les 10-15-20 dernières minutes où il y a eu Keita, Lallana qui sont rentrés, où tu as vraiment eu un bloc en train de bouger et de la densité et de la fluidité sur les côtés. Alors la titularisation et l'absence de Salah et la titularisation d'Origi n'ont pas aidé non plus sur le côté gauche, parce que Robertson, tu as cette alchimie entre Robertson-Origi là. Voilà, Robertson-Origi, aujourd'hui on a... parle, hein, dans le vestiaire, pour qu'ils jouent ensemble. Ça a été très compliqué. Mané sort d'une trêve internationale où il a été très très bon dans ses performances avec le Sénégal, mais malheureusement il a laissé énormément de débauches d'énergie dedans. Firmino pareil avec les voyages, donc on les a sentis moins à l'aise dans la fluidité, dans le déplacement, et surtout le jeu de Liverpool, on sait qu'à 80% il est bonifié par le déplacement de Firmino dans le cœur du jeu, et aujourd'hui il a pratiquement pas existé. Firmino il a souvent du mal à Manchester United, sous Mourinho quand il gagne 2-1, il avait fait un match horrible l'année dernière, le 0-0 c'était vraiment pas flamboyant. Et même aujourd'hui, parce qu'on lui laisse très peu d'espace. Il ne peut pas profiter des appels de Mané. Voilà. Parce qu'en deuxième mi-temps, si tu regardes bien, jusqu'à la 80e minute, c'est des centres pour Mané au deuxième poteau. Mais les mecs, ils se sont régalés. Que ce soit Arnold ou Robertson, ça, c'est une chose qu'on a vraiment beaucoup vu ce match-là. J'ai trouvé que ça forçait les passes. Ça allait chercher vraiment. Y avait, à la fin, c'était complètement décousu. Ça allait chercher les ballons longs, que ce soit dans l'axe ou même les longs ballons sur le côté. Que d'habitude, peut-être ça là, plus d'aisance à prendre. Regardez d'ailleurs, que ce soit Robertson ou Arnold. Ce soir, c'est 300 réussis à deux. Parce qu'ils ont fait énormément de ballons perdus. 33 ballons perdus pour Arnold. C'est comme ça que tu vas chez les mais, mais c'est ça, mais en plus de ça, tu ne peux pas trouver la même facilité Salah et Mané dans la profondeur que tu as quand tu as Divock Origi ou quand après, tu as sauté une ligne. Profondeur. Oui, mais le bloc de Manchester, t'en as pas, mais pourtant tu la cherches. Donc du coup, c'est. Moi, je pense qu'il balance dans la surface, histoire de faire. Mais non, mais même sur la largeur, sur le long de la ligne, tu vois un nombre de ballons énorme où tu vois Arnold qui essaye d'aller chercher sur la ligne et Robertson qui essaye d'aller chercher des longs ballons qui sont difficiles à
contrôler, difficile à manipuler. Et ça, ça leur a coûté beaucoup de pertes de balles. C'est expliqué par le manque de choix. Moi, je pense qu'il n'y a tellement pas eu de mobilité, de mouvement de la part des joueurs de Liverpool. À un moment donné, moi, j'ai rien compris. Peut-être, mais après, si tu calmes la relance. Henderson, on l'a retrouvé sur le côté. Ça a joué dans une sorte de 4-4-2 parce que tu peux jouer à ce que tu veux. Manchester ne veut pas jouer, ne veut pas avancer son bloc. Donc, tu peux jouer pratiquement à un seul milieu de récupérateur. Ils en ont rien à foutre. Ils vont récupérer un ballon, ils vont balancer sur Rashford. Donc, Henderson, il a été Fabinho, voilà. Ça peut Henderson, il a été très stérile. Il a pas été productif du tout. Et Fabinho et Wijnaldum au milieu de terrain en première mi-temps. Wijnaldum, il se projetait beaucoup parce que Manchester laissait un peu d'espace, justement, cette période où tu parles, où Manchester était un petit peu haut. C'est la période de Manchester marque. Non, mais voilà. La meilleure période de Liverpool sur le match, c'est quand Manchester marque. Oui, c'est ça. Quand Manchester marque, tu te dis, ah là, ils sont en train de perdre de l'énergie. Ça y est, c'est reparti. Liverpool va réussir à revenir dans le match et ils vont les écraser. Et là, t'as Manchester qui marque, t'as un regain d'énergie. Après, Manchester, ils tiennent le mental. Bien sûr. C'est décevant par rapport à ça parce que on peut dire, on peut rentrer sur le plateau en disant c'est magnifique comptablement, ils font le début de saison rêver en première ligue. Mais sincèrement, quand je vois les matchs, c'est quand même assez poussif et ça. Enfin, comptablement, ils ont perdu, même si c'est anecdotique parce qu'ils en avaient d'avance, mais ils ont perdu 2 points d'avance sur City ce week-end. Mais je pense qu'ils peuvent. Ils ont perdu 2 points d'avance. Oui, mais ils peuvent pas faire mieux sur le. Tu peux pas faire 8-8. C'était sûr qu'ils allaient perdre à un moment donné. Voilà, exactement. Je suis d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, entre guillemets, si vraiment on a envie de faire le mathématicien, on se dit que s'ils perdent aller-retour contre City, ils perdent peut-être une partie. C'est-à-dire que City gagne tous ses matchs. C'est pour ça que je dis, c'est de la logique là. C'est pour ça que je dissocie l'aspect comptable de l'aspect contenu, parce qu'encore une fois, je suis pas très très inquiet pour Liverpool, parce que l'année dernière déjà, il y avait eu cette période, encore une fois, je parle par rapport à la Première Ligue, même si tu... De rodage. Non, mais il y avait une période, en décembre, janvier, Ligue des Champions, l'Étoile Rouge de Belgrade, le match contre le PSG. De rodage, après tout ce qui s'était passé etc. Et ça gagnait les matchs, mais ça les gagnait sans vraiment être flamboyant, et finalement, ils vont gagner la Ligue des Champions. Maintenant, pour la Première Ligue, je suis persuadé... qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent leur poser des problèmes... S'ils n'arrivent pas à trouver un côté créatif, parce que Alpha connaît mieux la situation de Naby Keïta, notamment un mec comme Naby Keïta sur la deuxième partie de saison, il y a sur beaucoup de matchs où il a fait beaucoup de bien dans la création. Là aujourd'hui, on l'a vu. Moi, je trouve qu'à un moment donné, quand c'est stéréotypé, quand l'adversaire comprend et te laisse très peu d'espace, t'as besoin de ce genre de joueur. Et Keïta, il enchaîne les blessures. C'est pas le choix numéro 1, le choix numéro 2. Chamberlain qui pourrait jouer au milieu. À apporter, mais il apporte aussi plus dans cette faculté à se projeter ou à être dans la création, on l'a vu, aujourd'hui Anderson il va t'apporter ce qu'il peut t'apporter au niveau de la création et il va essayer d'aller défendre. Anderson, il va essayer, le meilleur ami d'Axel, il va faire mon meilleur pote. Moi je l'adore Anderson, moi je suis pas fan du tout, mais c'est pour ça que je te dis, quand tu vois un match bloqué comme ça, bah Naby Keïta ou Oxlade va t'apporter peut-être plus de profondeur, peut-être plus de port de ballon, et Naby Keïta plus de créativité. Ah, deux doigts de marquer le but victorieux. Oui, mais c'est ça. Moi, le changement de club, tu dois le faire, même pour moi, quand tu vas jouer contre Manchester là-bas, tu peux même le faire dès le début du match. Peut-être un début de deuxième période, tu lances plus de créativité. Moi, franchement, le choix d'Henderson sur le côté, je me suis dit, mais ça sert à quoi? Mieux vaut l'enlever que de le mettre sur un côté, parce que déjà, un, il va pas t'apporter la percussion sur un côté, il va pas t'apporter une qualité de centre, une qualité de passe. Enfin, il est pas connu pour ça forcément, même si au milieu de terrain il peut te faire des transversales et tout ce que tu veux. Moi, l'entrée d'Oxlade, je l'ai pas forcément bien comprise, parce que il va t'apporter cette percussion ou en tout cas cette capacité de projection, mais t'as un bloc qui est dense dans l'entrejeu de Manchester United. Donc qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Moi, j'ai plus aimé frappe de loin, c'est ce que je te dis. Oui, frappe de loin, mais le bloc, il est pas que sur 15-20 mètres comme le bloc de Mourinho. Il bouge sur 20-25 mètres et à chaque fois dans le dos du milieu, il y avait pas de dos. Derrière le milieu, t'avais directement un autre mur, un Oxlade qui fait des courses en verticale, il va bouger la défense. Anderson, il reste statique. Refais-toi tout le match. Liverpool n'a jamais été dangereux en passant par l'axe. C'est sur le but. On a vu un déplacement du bloc de United où il y a eu un changement sur le côté. D'accord avec moi. Quand tu commences à voir les changements, quand Klopp il fait les changements, quand il fait rentrer 2-3 joueurs, c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va. Oui, mais moi, c'est ce que je dis. Il passe d'un joueur qui n'est pas du tout vertical comme Anderson à des joueurs peut-être qui se projettent et vont plus vers l'avant. Mais justement, la capacité de projection d'Oxlade face à un bloc qui est très bas dans l'entrejeu, qui est très dense. Je trouve qu'il n'a pas apporté. Je ne pense pas que c'était une bonne idée. Maintenant, Lallana sur un côté, et Lallana, lorsqu'il est entré, et Naby Keïta, on l'a vu, il est à la base d'ailleurs de l'égalisation. C'est lui qui a ce ballon, ce crochet, il me fait mine de rentrer dans l'axe, il va écarter sur le côté où tu as un bloc de Manchester qui a 2-3 secondes de retard pour aller contrer le centre. Ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et aujourd'hui, il aurait fallu peut-être le faire beaucoup plus tôt dans les changements. On parle souvent du fait que Klopp ne fasse pas rapidement ces changements. Liverpool avait besoin d'enclencher une deuxième aujourd'hui, de mettre une autre dynamique, de mettre une autre. Il
fallait. 0-0. Voilà. Hein. On le dit souvent face à Chelsea. Enfin, il y a beaucoup de matchs où on a dit qu'il a été très attentiste. Il a passé plus de temps à discuter avec le quatrième arbitre. Ouais, c'était presque chiant. Là, c'était limite son pote. Et c'est son adjoint. Voilà, voilà. Il aurait plus fallu agir plus facilement, rapidement dans le match. Ouais. Mais il y a, bon, ça c'est une petite parenthèse. Il y a faute. Évidemment qu'il y a faute. Après, derrière, il y a quelque chose d'important, c'est de se dire que quand il démarre le match, ça marche pas du tout. La composition qu'il met. Pour moi, un Oxlade, un Naby Keita ou un Lallana, ça aurait même pu démarrer. Enfin, il aurait même pu démarrer. Quand il démarrer, a c'est dur. Si, parce que. Démarrer, en fait, c'est en fait, dur. J'ai envie de te dire. Mais un début, deuxième mi-temps, regarde, oui. Regarde, démarrer, c'est dur. Il y a une certaine stabilité. Tu joues avec cette composition depuis longtemps. Non, mais Lallana, okay. Il n'a pas joué un match depuis 2002. Naby Keita n'a pas joué de la saison aussi. Écoute, là où c'est ça qui est compliqué. Quand tu changes un joueur comme ça, là, et que tu mets Divock Origi. Mais Divock Origi, c'est pas le même profil que ça, là. Donc, si tu vas changer. Juste ça, est-ce que tu préfères mettre un mec la question elle est simple. Est-ce que tu préfères mettre un mec qui est en jambes, qui a la condition physique devant que la qualité peut venir de Mané ou de Firmino, ou alors tu préfères moi si je me dis ça là il part, j'ai pas le même joueur, je change Anderson et du coup le remplaçant de Salah, ou je change un au milieu mais je fais pas du poste pour poste. Voilà, après c'est mon avis. Il y a sur le chat, il y a Spoofy qui nous dit que c'est aussi une question de fatigue peut-être pour... Pourquoi pas ? Il y en a 2-3 bugs techniques là, visiblement. Ça tombe bien, on va s'arrêter là, les socios. De toute façon, c'était prévu. J'aimerais remercier les socios qui étaient avec nous. Juste Skylove qui nous dit qu'il a fait... quatrième du JDE à cause des Reds. On aura les résultats demain, résultat officiel de Winamax. Et on se retrouve mardi dans les paris du Club des 5 pour le midi. On parlera du classement de Walid notamment. C'est ça. Qui est dans le, et je serai pas là mardi. Le ventre mou du JDE. Ah oui, c'est exactement. Les socios, on va s'arrêter là. Merci d'avoir été avec nous. Je voudrais vous remercier bien sûr pour avoir été avec nous. Je vous rappelle de mettre des petits pouces bleus avant d'aller vous coucher. C'est très important. De vous abonner à la chaîne Le Club des 5 aussi. Très très important. Pourquoi ça me fait penser à Magic System ça? Oui, il y a de la sonorité qui se ressent. Exactement, c'est ça. C'est vrai, c'est Denis Rico. Cet instru. Voilà, mais je pense pas qu'il ait collaboré avec les Magic System, mais effectivement. Ils auraient aimé, je crois. Hein. On peut leur proposer comme ça au moins. C'est un ami qui lui permet d'avoir des contrats en or. Un grand merci donc les socios d'avoir été avec nous. Un très grand merci aux équipes qui ont préparé l'émission ce soir. Farès Hachem avec Abdel Kissi, Marwan Sahir, Sébastien Ferreira, Arthur Veil et Marius Cassoli. Bien sûr, un grand merci également à Arthur Laloré en régie. Bien sûr, parce que sans la technique, on n'est rien. Et le pauvre en ce moment, il a du travail parce qu'on ne le ménage pas. Hein. On l'envoie un petit peu au feu alors que ce n'est pas forcément à lui de tout gérer. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Un grand merci à tous les trois, Walid Acharchour, Axel Marek, oui, je pouvais pas m'empêcher, et Alpha Baldé. On se retrouve dès demain dans le Club des 5 pour une nouvelle semaine, belle semaine en plus, Ligue des Champions. Ça s'arrête jamais. Classico annulé samedi prochain, mais on aura quand même un très très beau Schalke Dortmund. Et bien sûr, classique dimanche soir, PSG OM. Donc soyez avec nous, très très grosse semaine. On continue de s'abonner puisque l'objectif c'est d'en avoir le plus possible. Merci d'avoir été avec nous les socios ce soir. On se retrouve donc demain. D'ici là, passez une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne nuit et à demain. Ciao. Salut. Ciao.